Je vais, si vous en êtes d'accord, faire un propos et puis j'espère que vous aurez des questions, des commentaires à faire. Je vais délibérément choisir de vous donner le point de vue de nos équipes aujourd'hui, l'état de l'art aujourd'hui, en sachant que les choses évoluent très rapidement et que probablement vous aurez, vous, peut-être des idées, des commentaires à faire à l'issue de mon propos. Donc j'espère que vous exprimerez tout à l'heure. Moi, j'avais envie d'abord de vous dire que nos adolescents, parce qu'il ne s'agit pas des adolescents de la planète Terre, il s'agit des nôtres, ceux qui vivent dans notre société, se caractérisent, selon moi, par deux aspects très importants qui composent finalement le contexte dans lequel eux évoluent et se confrontent éventuellement à nous. C'est d'une part qu'ils sont des membres à part entière et depuis le début de la société de consommation, et je vais revenir dans un instant sur ce mot qui me paraît très, très important un petit peu à explorer. Et puis, ce sont aussi des enfants de la révolution numérique. Et les deux aspects, consommation et révolution numérique, bien entendu, se croisent, s'entremêlent et produisent un certain nombre de choses. Alors, s'agissant de la consommation, dès le latin, consommare, le mot n'est pas très sympa, puisque ça veut dire achever, détruire. Et la proximité avec consumere, consumer, c'est-à-dire détruire par le feu, ne doit pas vous surprendre, ce n'est pas par hasard, cette proximité. Il y a dans la consommation quelque chose qui brûle des choses, et c'est ce qu'on va trouver, je crois, dans précisément ce qui va caractériser la consommation de nos types de sociétés. À la différence de manger et de boire, qui sont évidemment des actes de vie et de survie indispensables aux humains, mais qui, bien au-delà, répondent à des critères de partage, d'échange entre humains, puisqu'il ne peut pas y avoir de petites et de grandes affaires humaines sans quelque chose à boire et à manger, consommer, ce n'est pas du tout assimilable au fait de manger et de boire. Consommer, c'est absorber, avaler, ingurgiter, bien sûr, des aliments ou des boissons ou n'importe quoi d'autre, des infos, des données, des images, incorporer, absorber des choses sans forcément envie, sans forcément besoin et surtout sans limite. Et vous savez bien que la boucle est bouclée lorsque on dit il faut consommer, parce que si on consomme pas, on peut plus. Il faut produire, il faut qu'on produise, il faut qu'on consomme, et on est comme ça dans un cercle vicieux. Nos adolescents sont nés consommateurs. Ils brûlent tout ce qui touche. Ils prennent et ils jettent. Et c'est ça qui caractérise, si vous voulez, la société de consommation et les effets délétères que ça peut avoir sur la psychologie de nos jeunes. Ils prennent et ils jettent sans d'ailleurs en avoir forcément conscience. Je voudrais vous en donner un exemple à travers une illustration plutôt, à travers la dinette géante que représente le fast-food, qui est une dinette géante pour ados, puisque ce sont des ados qui servent d'autres ados. Et qu'est-ce qui se passe dans un fast-food le soir? Il se passe qu'il faut jeter les pains et les viandes qui n'ont pas été consommées, par mesure d'hygiène, dit-on. Mais on va demander, le manager va demander aux adolescents qui servent dans les fast-food
de non seulement jeter la viande et le pain qui n'a pas été consommé, mais de répandre dessus une sorte de gelée bleue pour rendre les produits impropres à la consommation. Retenons quand même qu'une société qui jette du pain et de la viande et qui en plus la rend impropre à la consommation, c'est quand même une société qui affiche aux yeux des enfants et des adolescents un portrait pas très réjouissant, si vous voulez, de la société des humains. Et cet aspect-là est très important parce que prendre et jeter, on va le retrouver décliné au sens propre et au sens figuré tout au long des activités de nos jeunes. Prendre et jeter, c'est par exemple aussi zapper. Finalement, on a un bouquet de programmes à la télé. On choisit de regarder un programme et si ce programme devient ennuyeux, on zappe pour changer. On prend et on jette. Ça, c'est une première chose qui est, je crois, très importante parce que dans le domaine de l'éducation en particulier, les professeurs sont traités très souvent comme des produits qu'on prend et qu'on jette en fonction de l'intérêt qu'ils peuvent susciter ou de leur matière ou des besoins en examen qu'on peut avoir. Mais c'est très important d'avoir en tête que ce mouvement se produit au sens propre et au sens figuré. J'en profite d'ailleurs pour vous énoncer une règle qui est très importante en psychologie, et qu'on pourrait formuler sous l'axiome suivant. Ce qui est vrai au sens propre est le plus souvent vrai au sens figuré, et vice-versa, sauf exception qui confirme la règle. Donc il faut avoir en tête que le zapping télévisuel est aussi quelque chose qui peut se produire sur le plan mental, c'est-à-dire que nos ados se caractérisent par une grande capacité à prendre très vite, à absorber très vite des choses, mais à les rejeter très rapidement. Et on va voir dans un instant le signal que ça peut nous donner chez ceux qui vont moins bien. Deuxième mot-clé, deuxième axe de compréhension des ados, c'est les enfants de la révolution numérique. Ils sont nés avec la révolution numérique. Alors, vous savez qu'on date la révolution numérique toujours à l'arrivée du CD, du compact disque dans la population. Le compact disque est agonisant. Il est né il y a 21 ans et la révolution numérique a connu une accélération exponentielle depuis 10 ans environ, puisque c'est depuis 10 ans que pratiquement tout le monde est équipé d'outils dits intelligents, les fameux smartphones qui sont non seulement des téléphones mais des appareils photo et des petits ordinateurs ambulants. Alors nos enfants sont digital natives, ils sont nés avec la révolution numérique est en cours, ils se produisent à travers travers le numérique. Et j'étais il y a un peu plus d'une heure avec des élèves de première à qui je demandais quel type d'application ils avaient. Les professeurs qui assistaient à l'échange étaient absolument évidemment sidérés de voir que tout le monde avait bien sûr une page Facebook, mais au-delà de ça, une application Snapchat, au-delà de ça, Instagram, enfin, ils sont extrêmement équipés avec quelque chose qui est très important, c'est que ces appareils leur servent à transmettre des informations, mais à s'auto-produire constamment en photo ou en vidéo, comme s'il y avait une sorte de nécessité à s'auto-définir pour se sentir exister auprès des pairs. D'ailleurs, l'expression « être populaire » pour un adolescent signifie obtenir un maximum de likes sur un réseau social, c'est-à-dire un maximum de reconnaissance de la part d'internautes qui, ça c'est importable par exemple,
qui vont donc publier des photos ou des vidéos. Alors, les conséquences vont être importantes puisque, enfants du numérique, ils vont être doués intuitivement pour se servir de ces outils, inversant un principe éducatif vieux comme le monde, qui est probablement une nouveauté dans le monde des humains, c'est qu'à la différence des temps anciens, où ce sont les vieux qui ont de l'expérience et qui peuvent enseigner aux jeunes l'usage d'un outil, il s'agit là de jeunes qui possèdent intuitivement la connaissance de l'outil et qui peuvent en remontrer aux anciens, puisqu'on apprend tous les jours. Moi, je suis tout le temps en train de découvrir des choses que des ados me montrent. Je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire telle ou telle chose avec tel appareil. Eux le savent. Et ça, c'est un principe un peu subversif, parce que cette inversion peut donner l'illusion que mettre de la pioche numérique, si vous me permettez cette image, ils en savent plus que les adultes. Et je voudrais vous rappeler, pour ceux qui en douteraient encore, que certes, ils ont des pioches très affûtées, la capacité à se servir de ces pioches pour aller pêcher des informations, mais comme toute pioche, si on ne sait pas où creuser et si on ne sait pas ce qu'on cherche, on risque de trouver des pneus, des bouteilles en plastique, voyez, des détritus et non pas des pépites d'or. Donc il faut, je crois qu'on est tous bien conscients dans le domaine éducatif, que reconnaissons-leur la science de l'outil, mais réapproprions-nous la capacité à montrer où il faut creuser et ce qu'il faut chercher. Et c'est ce qui me fait dire, depuis quelque temps, mais pour l'instant sans succès, à quelques ministres de l'Éducation nationale, qu'il faudrait créer un nouveau cours qui s'appellerait la critique numérique, ou quelque chose de similaire, permettant par exemple de montrer comment la recherche sur l'océan Google ne peut se faire qu'à partir du moment où on a déjà une réflexion sur les mots-clés pour essayer de préciser ce qu'on cherche, sinon on est complètement perdu. Je vous donne une illustration facile à mettre en œuvre. Si vous donnez à des ados le devoir suivant, quelle différence y a-t-il entre l'amour avec un grand A et l'amitié? Ça, c'est un sujet qui les intéresse, mais s'ils partent sur Google en tapant amour et amitié, ils vont obtenir des sites de rencontres, des sites pornographiques, peuvent récupérer, comme, voyez-vous, quelqu'un qui jetterait sa ligne dans une rivière en ramassant n'importe quoi, ils peuvent ramasser donc des pneus et des bouteilles en plastique. Donc leur apprendre à savoir ce qu'ils vont chercher dans l'océan du numérique est probablement, à mon avis, un des enjeux majeurs de l'éducation dans les mois et dans les années qui viennent. Je dis les mois parce que les choses vont à une allure, comme vous avez remarqué, exponentielle, puisque quand j'ai commencé à faire de la psychiatrie, on disait que la mesure anthropométrique et anthropologique est de l'ordre d'une génération. C'est-à-dire qu'il fallait 30 ans à l'époque pour enregistrer des modifications tangibles dans les modes de vie des gens sous l'influence de l'essor des sciences et des techniques. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Tous les 5 ans, il y a un saut qui est important et qu'on observe. Vous voyez, il y a 5 ans,
Peu d'entre nous achetaient leurs billets de train par Internet. Aujourd'hui, si je vous demandais parmi vous qui le fait, on serait nombreux à le faire. Donc en 5 années, la capacité à aller acheter des choses sur Internet a considérablement augmenté. Alors, l'effet que ça peut avoir sur nos jeunes, c'est que d'une part, ils sont également enfants de l'instantanéité, puisque nés avec le clic et le double clic, puis la digitalité intuitive, dès que quelque chose prend du temps, on dit que ça rame. Et à partir du moment où ça rame, on peut, je reprends des langages d'ado, on peut lâcher très vite l'affaire. C'est-à-dire que dès lors que ça va demander un délai, la tentation d'arrêter, de laisser tomber, de passer à autre chose est importante. Et du coup, là aussi, ça a un effet subversif sur la notion de l'effort. Si l'effort coûte en énergie et prend du temps, ben, il est moins plaisant finalement une recherche un peu éparpillée, mais qui s'apparente vraiment pour moi aussi à ça. Je parlais de la pioche tout à l'heure, mais il faudrait peut-être plus parler de la pêche à la ligne, c'est-à-dire jeter sa ligne un peu n'importe où et ramasser ou juger des choses. Et si ça ramasse rien, ben on change simplement d'endroit et on va pêcher ailleurs. Le mix entre consommation et enfant du numérique amène quelque chose de très important, qui est que dans la mesure où il faut aujourd'hui pour eux s'auto-définir à travers ce qu'on montre de soi, et notamment ce qui brille de soi, l'autoproduction en image conduit à se définir à travers son look et à travers toutes les productions qu'on va faire en image, les selfies et autres vidéos de soi-même, qu'on va produire. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'une tenue ado standard vaut 1 200 €. 1 200 € en moyenne. Il y a des paires de baskets à 325 €, à quelques kilomètres d'ici. Donc, si vous voulez, c'est très important, c'est-à-dire que l'autodéfinition de soi à travers ce qui brille conduit, là encore, au sens propre et au sens figuré, à arborer des tenues coûteuses, témoignant de son aisance, de sa facilité. Et si vous demandez aujourd'hui à des adolescents de 3e, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, vous pouvez très bien avoir comme réponse être star, c'est-à-dire briller, ou bien avoir de la thune, ce qui n'est pas un métier, mais une orientation délibérée vers une reconnaissance par l'aisance matérielle qu'on donne l'impression d'avoir. Alors c'est vrai dans le domaine du look, on brille par sa seconde peau du look, on brille par les accessoires du look, que sont le piercing et le tatouage, qui sont des marques cutanées venant rehausser soi-même. Et puis on brille à travers tous les autres accessoires qu'on peut avoir. Et là, les élèves de première que j'avais tout à l'heure, avec leurs professeurs, les professeurs en étaient malades. Quand j'ai demandé qui a moins qu'un iPhone 5S, une pauvre élève a levé la main. Tous les autres avaient plus. Et notamment de l'iPhone 6, qui vaut 800 €, hein, quand même, pour avoir en tête. Et quand c'est pas des iPhones, c'est des Samsung Galaxy S, enfin c'est des produits qui valent entre 500 et 800 €. Petite parenthèse, qui achète ces objets? Est-ce que vous savez? C'est les mamies. Le vrai pouvoir d'achat des ados, c'est les mamies.
Et ça me donne l'occasion, s'il y a des mamies parmi nous, je ne sais pas si c'est le cas, mais dites-leur aux mamies que c'est très bien, c'est très gentil d'équiper les ados en outils numériques qui permettent de les géolocaliser à 1,5 mètre près, mais il se trouve que si on demande à des ados vers où c'est l'Asie, sur les 30 élèves que j'avais tout à l'heure, seulement 2 ont donné l'Est. Quand même, hein, sur 30. Hein. 28 ne savaient pas vers où ça pouvait être l'Asie, et 5 ont découvert que le soleil se levait à l'Est. Et ça, c'est un vrai souci, voyez-vous. Ça veut dire que le conseil aux mamies, c'est arrêter d'acheter des iPhones je ne sais quoi et acheter-leur plutôt des lampes de chevet qui fassent map monde. Plus sérieusement, je voudrais vous dire ça. Il est probablement urgent, et je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, en être les acteurs, et ça c'est un travail formidable, qui va consister dans les années qui viennent à réduire les programmes, parce que le millefeuille, ce n'est pas favorable à l'absorption, réduire les programmes et par contre redéfinir ce qui est fondamental pour grandir, c'est-à-dire pour s'ouvrir au monde, ce qui est quand même le but principal de l'éducation. Apprendre aux jeunes gens à s'ouvrir au monde en les équipant justement d'outils physiques et psychiques pour qu'ils puissent mieux se saisir du monde et le comprendre. Et l'urgence est grande parce que je vais vous raconter brièvement un test que nous avons fait avec une de mes camarades sociologues qui est assez atterrant. On a réuni une centaine de collégiens d'une grande ville française, collège de centre-ville, donc des enfants de milieux aisés, voire très aisés. Cette centaine de collégiens de niveau de troisième, on leur a montré 3 minutes d'images d'actualité représentant sans le son et sans aucune légende, représentant des chars d'assaut faisant des manœuvres quelque part dans un désert en soulevant des nuages de sable. Question, de quoi s'agit-il ? Nous obtenons, comme attendu, les 15% de provocateurs, plutôt garçons, qui racontent n'importe quoi, c'est des moissonneuses batteuses, c'est des tracteurs. Ok, on a notre stock de provocateurs, normal. On met des copies de côté, ils ne veulent pas jouer. Les autres, on leur demande, ils ont tous dit c'est des tanks, des chars d'assaut, des engins de guerre, enfin bon, tout ça est bon. On leur demande où ça se trouve dans le monde. Et là, on obtient quand même la moitié des réponses qui sont du grand n'importe quoi. Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est-à-dire des noms de pays dont ils ont entendu parler. La seule chose, c'est qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas de sable. Et donc, il y a quand même là quelque chose d'assez stupéfiant. On garde les copies en gardant vraiment large, hein, Asie, Afrique, enfin, il y a du sable. OK. Et là, on leur dit, il s'agit d'images d'actualité du conflit israélo-palestinien. 2 points, petit a. De quoi s'agit-il ? Petit b, où ça se trouve dans le monde ? Et là, tenez-vous bien. Petit a, de quoi s'agit-il ? Le conflit israélo-palestinien, je vous livre la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui comporte un mot-clé exact. Qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien ? 2 points, ouvrez les guillemets. C'est des trucs entre les Arabes. Fermez les guillemets. Arabe est bon.
Deuxièmement, où ça se trouve dans le monde ? Zéro réponse. Donc ils sont géolocalisables à 1,5 mètre près, mais incapables de situer le Moyen-Orient. Donc voyez-vous, ce genre de démonstration indique que quand il y a quand même un gros souci au niveau de ce que certains appellent les fondamentaux, si vous voulez, où il va falloir s'employer à essayer de comprendre ce qui se passe. Et selon moi, ce qui se passe, c'est que le croisement de la consommation et du numérique aboutit à, en effet, absorber, ingurgiter une quantité de choses sans pouvoir le digérer et sans pouvoir donc en tirer profit. Et ça, on va le retrouver à travers un symptôme médical majeur chez les adolescents d'aujourd'hui, qui n'est pas la fièvre, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. La fièvre, c'est le symptôme principal médical des enfants. Mais chez l'adolescent, le symptôme principal, c'est les vomissements. Alors, quand est-ce qu'on vomit quand on est adolescent ? Commençons par le plus simple. Élevé dans les produits pasteurisés, sous emballage, par mesure d'hygiène, etc. Toute petite Escherichia coli, qui pourtant est notre compagnon à tous dans des endroits secrets de notre corps. Lorsqu'Escherichia coli se retrouve sur un kebab ou sur un hamburger, il provoque une gastro. Et nos ados sont de grands spécialistes de la gastro. Ils attrapent des gastro. Et on se posait beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se lavent pas les mains, etc. Non, non, c'est parce qu'ils sont devenus très sensibles à des germes banaux qu'on pouvait tout à fait supporter auparavant. Et puis, il y a surtout beaucoup de ce que j'appelle des gastro-psychiques. Alors, je vous fais une petite démonstration de ce que c'est qu'une gastro-psychique. Imaginez une jeune fille qui s'appelle Myrtille, parce qu'aujourd'hui on a des prénoms comme ça. Myrtille a 16 ans, elle est scolarisée en seconde. Hier soir, Myrtille ne s'est endormie qu'à 1h du matin, parce que à minuit, dans son premier sommeil, Alexandra, sa meilleure amie, lui a envoyé un message sur son portable qu'elle utilise comme réveil matin, qui lui disait « J'ai rompu avec Romain ». Et donc, à partir de là, s'en est suivi un chat, évidemment, pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait, etc. Enfin bon, tout un truc qui est fait qu'elle s'est couchée très tard. Elle a dû se lever très tôt, car ce matin, c'était jour de lissage des cheveux. Le lissage des cheveux est une opération obligatoire chez beaucoup de jeunes filles, puisque c'est la mode aujourd'hui d'avoir les cheveux lisses, et qui prend entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Une heure si on intègre le maquillage des yeux façon Cléopâtre. Pendant que Myrtille se prépare, sa mère tambourine à la porte de la salle de bain, parce que maman doit aller travailler aussi et se préparer, donc il y a toute une tension qui va se passer. Et comme maman est également abonnée à Enfants Magazine et qu'elle a lu qu'il fallait absolument manger des céréales avant d'aller en cours, parce que sinon on risque de faire des problèmes neuronaux, enfin des trucs abominables, elle lui a préparé son bol de céréales dans la cuisine et les injonctions, c'est « dépêche-toi, tu vas rater ton bus et n'oublie pas de prendre tes céréales ». La jeune fille se rend compte qu'il n'y en a plus que 5 minutes, elle fonce, elle passe par la cuisine, elle est poursuivie par sa mère, elle avale d'un trait le bol de céréales, elle part prendre son bus, elle monte dans le bus, elle s'assoit là où sa meilleure amie l'attend, qui lui a gardé une place, et là elle apprend qu'à 10h, il y a contrôle de maths. Arrivée
devant le lycée, elle restitue ses céréales. Et une demi-heure plus tard, donc la mère est au travail depuis une demi-heure, le téléphone sonne, et c'est l'infirmière scolaire qui annonce qu'il faut venir chercher sa fille, Myrtille, parce qu'elle a une gastro. Beaucoup de gastro psychiques d'adolescents sont des effets du stress liés à la conjonction d'un certain nombre de phénomènes qui sont, un, le stress, ils sont beaucoup plus stressés qu'auparavant, ils ont une pression redoutable sur eux, et non seulement ils sont stressés, mais ils supportent mal, si vous voulez, les tensions qu'ils peuvent avoir. Du coup, du lundi au jeudi soir, les ados sont dans la période de la semaine dite en mode prise de tête. Le mode prise de tête, c'est avoir des devoirs, avoir des contrôles, rendre des comptes sur le plan scolaire, avoir la pression parentale de façon importante sur eux à ce sujet, énorme, hein, il faut que vraiment vous en ayez vraiment conscience, il y a une pression absolument terrible sur le scolaire de la part des parents. Tout le monde est convaincu qu'il faut absolument, absolument faire des études, qu'il faut absolument avoir son bac, et les gens n'ont pas conscience de ce scandale que je trouve absolument scandaleux, qui consiste, une fois qu'on a son bac, à tirer au sort les étudiants qui vont pouvoir s'inscrire en fac de psycho. Non mais, je rêve. Ça, si vous voulez, ça c'est l'anti-éducation, ça. Hein ? On n'a qu'à donner des pochettes surprises en CP, et on aura les métiers déjà, si vous voulez, dans la pochette, après tout, hein, si ça doit être ça. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable, qu'il va falloir absolument s'employer à réviser. Je ne comprends pas même que ça puisse exister, qu'on puisse faire des choses pareilles. En tout cas, la pression est telle que nos ados connaissent un niveau de stress absolument incroyable. Donc non seulement ils font des gastro-psychiques, mais ils font aussi des allergies cutanées, ils font des asthmes compliqués, ils font des tas de troubles psychosomatiques sous l'effet du stress. Donc la première partie de la semaine, c'est mode prise de tête du fait de cette pression scolaire, du fait de l'ambiance familiale, des conflits familiaux, des déchirements familiaux, un couple sur deux divorce ou se sépare, dans des atmosphères souvent houleuses, tendues, avec les gardes partagées qui sont, vous voyez, le mot a l'air comme ça très, très, très sympathique parce que égalitariste, garde partagée, c'est des conflits dans 80% des cas. Hein. Donc, beaucoup de tensions, ce qui les amène le samedi soir à avoir envie de passer très vite du mode prise de tête au mode lâchage. Lâchage le jeudi soir, lâchage le vendredi soir, et pourquoi pas lâchage le samedi soir. Comment, lorsqu'on est enfant de l'instantanéité, peut-on passer le plus vite possible du mode prise de tête au mode lâchage ? En abusant de substances, donc de consommation, puisque ça s'appelle comme ça aussi, dans une discothèque, une conso, et on retrouve constamment le mot, on va donc obtenir le passage, la bascule, en prenant de l'alcool et ou du cannabis. Et pas n'importe quel alcool, il va falloir essayer d'avoir un effet le plus rapide possible. Aucune fête adolescente ne peut aujourd'hui se concevoir
sans ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire l'absorption massive en un minimum de temps de grandes quantités d'alcool, ce qui distingue aussi complètement la question de les jeunes et l'alcool, qui, on dit toujours, ça a toujours existé, etc. C'est vrai, mais pas sous cette forme-là. Quand j'étais interne en psychiatrie, je n'ai jamais reçu aux urgences, à l'époque, d'adolescents ayant 3 à 4 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est aujourd'hui le cas. Binge drinking, qui, vous savez sans doute, est une tradition au départ scandinave, les alcools étant très fortement taxés dans les pays scandinaves et détaxés dans les ferries reliant les îles les unes aux autres, certains consommateurs s'employaient à prendre le ferry pour boire moins cher et donc boire beaucoup en un minimum de temps. C'est passé au Royaume-Uni, puis ça s'est diffusé dans les écoles de commerce et ensuite, depuis une dizaine d'années, ça s'est répandu dans les lycées, dans les collèges, qui est un phénomène aujourd'hui tout à fait classique. Alors qu'est-ce qui se passe dans une fête adolescente? Il y a en général une sous-couche qui est constituée par de la bière, parce que c'est pas cher. Par-dessus la bière, 3 alcools forts, dont un est en tête de tous les classements, c'est la vodka. La vodka qui est un alcool exotique, la vodka qui est un alcool incolore et que les jeunes filles peuvent mettre dans les petites bouteilles d'eau qu'elles mettent dans leur sac pour passer facilement les contrôles, et c'est un alcool qui rend ivre en un quart d'heure chrono. Lorsqu'on le boit par shooter, par ligne de shooter, c'est-à-dire de petits verres de vodka, on obtient une ivresse extrêmement rapide et donc la bascule de la prise de tête au lâchage facilement obtenu. Le deuxième type d'alcool utilisé, c'est le rhum. Dans un cocktail, si vous dites ce mot, vous avez les yeux des ados qui font comme ça, c'est mojito. Vous dites mojito. Où ça ? Peut situer la ville de Rome. C'est comme ça en ce moment. Il y a 20 ans, c'était Malibu, aujourd'hui, c'est Mojito. Et le troisième, c'est le gin ou le whisky, selon. Alors, l'objectif, ça consiste en effet à boire beaucoup, dans un minimum de temps. Et qu'est-ce qui va se produire pendant la fête ? Des vomissements qu'on va retrouver, qui font que, si vous voulez, aucun ado ne peut aujourd'hui dire que dans une fête, il n'y a pas eu quelqu'un qui a vomi. C'est quelque chose qui est tout à fait évident, avec parfois même, lors d'épisodes d'alcoolisation sur la voie publique, des restitutions qui se font sur le pas des portes et qui amènent certaines villes, particulièrement connu pour y voir des fêtes organisées constamment, organiser les matins de week-end, du ramassage de cadavres de bouteilles qui jonchent le sol et de nettoyage de vomi, tellement il y en a. Il y a des discothèques où il y a des employés qui viennent nettoyer les toilettes uniquement à cause du vomi. Vous prenez l'air surpris, mais vous ne l'êtes pas, en fait. Je ne vous apprends rien. Alors, le vomi dans les soirées alcoolisées. Le vomi, encore dans une autre situation qui est encore une restitution de la société de consommation, dans les crises de boulimie, avec vomissement, chez des jeunes filles à poids normal, qui ne sont pas forcément anorexiques mentales au sens médical du terme, mais qui ont des accès de frénésie alimentaire pour des aliments, d'ailleurs généralement assez gras, culte de la minceur oblige, se font ensuite vomir pour ne pas grossir.
Alors ça conduit à ce genre de sketch que j'ai vécu il y a quelque temps, où ma secrétaire me dit il y a le boulanger proche du centre Abadie qui veut vous parler au téléphone. Alors en général, quand un artisan veut me joindre, c'est parce que sa fille ou son fils va pas bien, il veut avoir une consultation, des choses comme ça. Donc je prends l'appareil et le boulanger me dit la chose suivante, il me dit « Monsieur Pomereau, vos patients sont aussi mes clients et de temps en temps ils viennent acheter des viennoiseries dans mon magasin, ils les mangent devant la boulangerie et ensuite ils vomissent devant la vitrine. Alors c'est mauvais pour le commerce. » Ce qui est vrai. C'est un point de vue. Mais ça, c'est, voyez-vous, c'est quand même quelque chose qui est assez, je trouve, révélateur, c'est-à-dire que beaucoup de nos jeunes absorbent, ingurgitent, avalent des choses et nous les restituent à la figure comme s'ils nous signifiaient inconsciemment par ça qu'ils attendent autre chose de notre part. Je pense qu'ils attendent tout à fait autre chose de notre part. Ils attendent sans doute qu'on arrête de les traiter en consommateurs, mais qu'on les traite en acteurs capables de faire des choses, de produire des choses, de participer directement à des choses, plutôt que de subir toujours les choses de façon passive, de les recracher comme on le voit en médecine, si vous voulez. Vous savez qu'en médecine, on a des jeunes gens qui sont prototypés, jeunes gens de bonne famille, entre guillemets, c'est-à-dire aisés, jeunes gens qui ont très bien travaillé à l'école en général, qui ont bien réussi et qui ont une capacité d'ingurgitation phénoménale, ce qui fait qu'ils ont été reçus au concours, puisque c'est sur l'ingurgitation que portent les résultats, et ils sont capables de recracher tout ça sans comprendre ce qu'ils recrachent, ce qui est sidérant. Sachez aujourd'hui que quand on interroge nos internes, certains n'ont pas vu une goutte de sang jusqu'en quatrième année de médecine. C'est normal, ça ? Des futurs médecins ? Par contre, ils sont capables de recracher tout ce que vous voulez. Ils peuvent recracher de la biochimie, de la biophysique, du médicament, des formules, digérer les acquisitions qui ont été faites. Et ce qui nous oblige, lorsqu'on les reçoit jeunes, à leur réapprendre, si je puis dire, des choses complètement basiques, si vous voulez, qui consistent, par exemple, quand on veut savoir comment quelqu'un se porte, ben on prend la température, enfin des trucs de base, quoi, qui sont, vous voyez, des choses qui aujourd'hui ne sont plus aussi évidentes qu'auparavant. Donc là, je crois qu'on est vraiment quand même à un tournant. Le règne de l'ingurgitation et de la restitution, au sens propre comme au sens figuré, pose à mon avis un vrai problème éducatif. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est que on a toujours tendance à souligner les insuffisances au lieu d'essayer de rehausser les compétences. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose que vous devez appliquer. C'est plus on va dire à un adolescent que ce qu'il fait n'est pas bien, que ça ne va pas, que ce n'est pas comme ça, qu'il ne faut pas faire ça, etc., plus on l'incite à se révolter. Et il faut avoir en tête que l'adage humain, de manière générale, mais les adolescents se sentent encore plus concernés, eux, en tant que minorité, cet adage est le suivant: se soumettre, c'est se démettre.
Et donc, plus on leur dit que ça ne va pas ce qu'ils font, plus ils ont besoin de se révolter contre ça et de se sentir exister en reprenant ce circuit de l'égocentration dont ils usent et abusent à travers les outils numériques. C'est sidérant de voir, si vous voulez, sidérant de voir les échanges d'adolescents. Clac. Je tire la langue, ou je fais la bouche en canard, ou mes deux meilleurs amis font comme ça à côté. Enfin, il y a 10 codes, maxi. Donc c'est extrêmement stéréotypé, totalement stérile, et seulement destiné à se sentir exister dans le groupe. Faute d'être suffisamment mis au travail, c'est-à-dire, dans mon esprit, en mettant la main à la pâte. Selon moi, un des plus grands travers de l'éducation nationale, c'est d'imaginer que les travaux pratiques peuvent être supprimés parce qu'on n'a plus le temps ou parce qu'il n'y a pas assez de professeurs ou je ne sais quelle autre raison. Ce n'est pas possible, messieurs, dames, d'apprendre, c'est-à-dire d'avaler et de digérer quelque chose, sans mettre la main à la pâte. Je vous invite vraiment à l'avoir en tête et à en tirer quelque chose par rapport aux adolescents dont vous vous occupez et dont vous vous occuperez, parce que on peut pas apprendre sans mettre la main à la pâte, quel que soit le sujet. Seulement voilà, le problème, c'est qu'on est un peu loin parfois de ces principes-là, et nous, on le vérifie tous les jours, ils sont ravis quand on leur donne des choses à faire. Mais des choses à faire qui veulent dire qu'ils sont acteurs de ce qu'ils font, et non pas reproduisant quelque chose qui a déjà été prédigéré par d'autres et qui consisterait finalement, qui, comme image, ne serait que du réchauffage de produits déjà emballés, c'est-à-dire la barquette individuelle réchauffée au micro-ondes après qu'on ait percé l'opercule et qu'on ait mis 2 minutes au micro-ondes. Ils sont aussi de cette génération-là, ils sont donc capables de réchauffer tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça qu'il faut leur demander. Ce qu'il faut leur demander, c'est de fabriquer les choses, de le produire, de le mettre en scène, donc dans tous les sens du terme, de les rendre acteurs. Vous n'imaginez pas, depuis 10 ans, le succès qu'ont tous les défis que nous proposons au Centre Abadi. Alors, je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, quand je recevais un adolescent et que je lui disais, en gros, comment t'es triste, il pouvait me dire des choses. Ça va pas parce que ma copine m'a quitté, ça va pas parce que je me suis fâché avec mes parents, ça va pas parce que je me sens pas bien, je me sens mal, j'ai des idées noires. Enfin, ils étaient capables de se répandre avec des mots. Aujourd'hui, parce que, justement, c'est une génération de Snapchat et d'Instagram, c'est-à-dire de l'image, ils se produisent davantage en image qu'en mots, M-O-T-S, lorsqu'ils veulent exprimer des choses d'eux. Donc, il y a 20 ans, je pouvais dire à une jeune fille, explique-moi la nature de des idées noires que tu ressens. Aujourd'hui, je lui demande pour demain de se maquiller aux couleurs de la tristesse. Et étonnamment, elle va pouvoir utiliser ce support bien davantage que les seuls mots, comme si les mots avaient toujours besoin, si vous voulez, comme le lierre, de s'accrocher sur un support. Nos ados sont plus que jamais en besoin de support pour se dire.
Et ce qui est très intéressant, c'est que la composition, la représentation que, par exemple, elle fera en mettant du fond de teint blanc, en mettant une larme rouge qui coule d'un œil, et puis trois larmes noires de l'autre, parce que ça va dire qu'elle est triste qu'il est arrivé ceci ou qu'il est arrivé cela. Tout ça, si vous voulez, peut être dit grâce au support. Et c'est ce qui nous a amené à développer un certain nombre de ce qu'on appelle des défis. J'aurais jamais imaginé il y a 10 ans, si vous voulez, que mon exercice de psychiatre consisterait très souvent à donner des défis à des jeunes gens qui s'auto-représentent avec leur souffrance. On peut leur demander, par exemple, de s'auto-représenter avec leur souffrance. Et ils vous produisent un monstre, un avatar, quelque chose qui va dire ce qu'ils ressentent, le monstre qu'ils ont en eux, ce qu'ils peuvent ressentir en telle et telle situation. Donc il faut absolument avoir en tête que sans production, sans les inviter à produire des choses, ils vont rester dans une logique très superficielle et peu intéressés à ce qu'on va leur proposer. Et là, j'ai l'impression que je vous ai tous endormis. Non ? Ça va ? Est-ce que ça vous donne des questions, ce que je suis en train de vous dire, ou... Oui. D'un point de vue très concret pour nous, en fin de compte, c'est un peu surtout comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans nos classes pour répondre aux besoins que vous définissez. Ben, si vous voulez, il faut, de toute façon, vous avez une, comme nous à l'hôpital, vous avez un cadre contraint qui s'appelle les programmes et aussi le fait que vous n'êtes pas tout seul puisqu'il y a d'autres intervenants. Je pense que une chose qui est très importante, c'est de pouvoir avoir un minimum de cohérence entre professeurs d'un même établissement ou d'un même niveau, parce que l'expérience montre que c'est souvent l'absence de cohérence dans l'enseignement qui provoque des, en quelque sorte des fractures éducatives. La deuxième chose, c'est que, et ça je ne sais pas si on vous le dit suffisamment, mais il faut se rappeler qu'un principe fondamental de l'humain, c'est l'inscription dans un groupe. C'est-à-dire qu'un humain, pour se sentir exister, il doit se sentir intégré dans une communauté qui est sa famille, son cercle de proches, et ses amis et le corps social dans lequel il évolue. Aujourd'hui, laisser très seul à s'auto-définir, avec le fameux billet de 20 € sur la commode de l'entrée quand l'ado rentre de l'école parce que maman est à la gym et papa est je ne sais où, avec un petit mot, un post-it, achète-toi une pizza, c'est une forme d'abandon. Ils sont laissés, livrés à eux-mêmes, aussi étonnant que ça puisse paraître, alors qu'on les aime beaucoup, hein. Le paradoxe, c'est ça. Ils n'ont jamais été autant aimés, si vous voulez. Très peu sont battus. Très peu. La plupart des jeunes que je reçois au Centre Abadi sont des enfants aimés, qui ont été voulus, qui sont choyés depuis tout petit. On leur a mis des doudous, des moquettes, du soft, dans tous les sens du terme, et donc y compris numérique. Ils sont élevés dans le soft. Et eux, de quoi ils ont envie? De hard. Vous voyez le truc? C'est-à-dire qu'ils ont besoin, de ça, et laisser livrer à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent constamment à recomposer des communautés, qu'ils font notamment par les réseaux sociaux. Donc en classe, il faut avoir en tête ça. Il y a l'élève tout seul, et il y a l'élève dans le groupe.
Et donc, il ne faut pas hésiter à définir des groupes, mais des groupes qui réussissent, pas des groupes qui ratent. Vous voyez, c'est un principe évident, je pense que vous avez tous ça en tête, mais il n'y a rien de pire que d'être dans le groupe des nuls, pour un ado, si vous laissez. Parce que là, non seulement, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe des nuls ? Dans le groupe des nuls, les plus déprimés vont être encore plus nuls, parce que, ils ont l'impression que c'est ça qu'ils sont, et donc ils vont continuer à être ça. Et les leaders du groupe, puisqu'il y a toujours des leaders dans un groupe, ils vont triompher dans l'échec, puisqu'ils ont raté dans la réussite. Donc ils vont être encore plus nuls que les autres. Le roi des nuls est le leader du groupe des nuls. Et donc il faut arriver, au contraire, à faire en sorte que l'objectif soit d'améliorer ce qu'on fait en expérimentant des choses qui sont positives plutôt que des choses qui sont négatives et qui vont éventuellement après se conjuguer dans le rejet pur et simple. C'est-à-dire qu'il y aura non seulement les nuls au niveau des résultats, mais les nuls chercheront à se faire exclure en multipliant les exactions, les troubles des conduites, etc., qui font que l'établissement scolaire ne sera plus en mesure de les prendre. Alors il y a là un truc hyper chaud que je vais être obligé de vous dire à ce moment-là. Mais il faut, je crois, dire la vérité. Un souci auquel vous êtes confronté, qui à moi me paraît extrêmement discutable, c'est de prétendre que, parce que tout le monde a droit à de l'éducation, le droit primant sur le devoir, comme vous le savez dans notre société, il faut pouvoir accueillir dans une même classe aussi bien les autistes que les malvoyants et que les autres élèves. Ça, c'est une erreur qui provoque des incompatibilités, des actes de sadisme entre enfants, entre jeunes gens, parce que les enfants ne sont pas gentils. Les enfants, ils sont nous avant. Hein. Voilà, donc, ils ne sont pas ni gentils ni méchants. Ils ont, ils ont besoin aussi de se moquer, de se comparer avec d'autres. Et cette espèce de mélange, si vous voulez, est à mon avis extrêmement défavorable. Alors que je suis absolument convaincu qu'il faut des classes spécialisées pour les enfants en grande difficulté, comme par exemple peuvent l'être des enfants autistes. Mais vous voyez, c'est pas du tout ça qu'on fait là. Hein. Passer de l'individuel au groupe et du groupe à l'individuel. Mettre les jeunes gens en position d'acteurs, les féliciter quand ils produisent des choses bonnes. Ils sont ils le disent tous, hein, ils sont insuffisamment récompensés. Ils veulent avoir, eux, des prix et tout ça. Vous savez ça. Ils sont pour des remises de prix, eux. Ils veulent une reconnaissance. Pardon ? Est-ce que quand il y a un classement, est-ce que c'est pas enfoncer le dernier ? Eh bien, c'est ça qui est stupéfiant. C'est que c'est ce qu'on pourrait penser naturellement. Et en réalité, si vous voulez, à travers ce que les jeunes gens nous disent, ils sont, eux, surtout soucieux de savoir où ils sont. C'est-à-dire que, si vous voulez, probablement qu'une angoisse majeure de l'humain, mais ce n'est pas seulement le jeune, c'est tout le monde, c'est de ne pas savoir où on est, d'être perdu. La personne âgée malade d'Alzheimer va souffrir de deux choses en début de sa maladie terrible, ses trous de mémoire
et les moments où elle se sent perdue, où elle ne sait plus où elle est et vers où elle va. La personne qui va s'intoxiquer dans quelques semaines, quand il va faire vraiment froid, à l'oxyde de carbone, va être arrivée aux urgences dans un état d'agitation confuse qui fait que cette personne se sent perdue. Eh bien, lorsque les adolescents ont le GPS identitaire déréglé, qu'ils se sentent perdus, ça ne va pas. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il vaut mieux savoir qu'on est avant-dernier, vous voyez, précisément, on est ça, on est à ce rang-là, plutôt que de ne pas savoir parce qu'on n'a pas voulu, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de si, on ne repérera pas les choses, on ne dit pas les choses, etc. Eux réclament à corps et à cri de savoir où ils en sont. Par exemple, en matière de troubles des conduites alimentaires, dans mon service, on a été amené à instituer une forme de grade. C'est incroyable, quand on y pense. Le grade zéro, pour eux, c'est lorsqu'ils mangent dans leur chambre avec un tuyau dans le nez parce qu'ils ne s'alimentent pas assez et qu'il faut leur donner une alimentation par sonde nasogastrique. Quand ils passent, alors ils disent pas le niveau zéro, eux, ils disent ceinture blanche. Ils sont ceinture blanche quand ils sont au départ. Ensuite, ils passent un grade quand ils sont capables de manger sans avoir de tuyau dans le nez. Un autre grade quand ils sont capables d'aller manger avec leur plateau dans le réfectoire en compagnie des autres et sous le regard des autres. Encore un stade quand ils sont capables de composer avec la diététicienne leur propre menu et fabriquer leur propre repas. Et encore un cran, ceinture noire, quand ils sont capables de se servir dans un plat collectif. Eh bien, cette gradation, que nous, au départ, on n'avait pas envie de rendre parfaitement lisible, ils nous la réclament. C'est étonnant, parce que c'est le besoin de préciser sa place. Bien. Monsieur Pomereau, on a quand même un petit peu préparé votre intervention et puis au fil de vos mots, il y a beaucoup de mots-clés qui peuvent interpeller bien sûr nos étudiants mais aussi les professionnels qui viennent parce que je pense que l'ESPE c'est une formation d'enseignants mais une véritable communauté éducative, c'est aussi d'autres professionnels qui peuvent justement, quand vous disiez qu'il y avait des difficultés pour certains enseignants, la pédagogie des merveilleux du recours devienne, surtout quand on débute, souvent une pédagogie du secours. Mais vous avez dit des mots-clés qui sont intéressants, je pense que tout à l'heure on pourra rebondir là-dessus. Vous avez parlé d'un système qui fait que le numérique, l'ère du numérique est là, on est à l'ère de pousse et poussette. Il y a quelques années, ou même des dizaines d'années, on aurait fait 300 km en Afrique pour aller vous écouter. Maintenant on se dit pourquoi faire ce choix, est-ce que j'aurais pas justement un podcast ou quelque chose qui me permettrait de voir Xavier Pomereau un peu plus tard. Ensuite, vous avez parlé aussi du système de contraintes, difficile de bien cadrer avec Internet. Or, on sait bien que s'il y a un désir commun d'aller vers la connaissance, la découverte du monde, il y a un système de contraintes qui est logique pour justement un désir commun. Donc on a besoin de ces contraintes. On est un petit peu dans l'entre-deux, c'est difficile. L'adolescence, elle se posait justement souvent en s'opposant. Vous parlez souvent de conflits. Et dans ces concepts un petit peu de liminalité d'entre-deux, on retrouve aussi l'enseignant. C'est pas évident, vous avez parlé de groupe. Oui, je pense que souvent on est sur l'individu, sur la réussite de chacun, mais elle dépend aussi de ce groupe. Et ça, je pense que c'est un corollaire assez important de comprendre ces notions. Vous-même, quand vous parlez dans votre unité justement d'hospitalisation, vous employez un mot, je pense, qui est très intéressant. En tout cas, qui m'a marqué à l'époque, c'était le corps groupal. Et en effet, nous, enfin, les étudiants, ils ont justement un groupe classe. Et ils font partie constituante de ce groupe. Et l'alchimie, les interactions qui se créent sont importantes. Vous avez dit aussi, identifier aussi ses réussites. Alors que parfois, dans les textes, on voit identifier les erreurs des élèves. Est-ce qu'on ne peut pas identifier ses réussites? Partir des compétences et aller plus loin, partir aussi des capacités au sens sénien du terme, c'est-à-dire que être dans le libre choix et le libre arbitre. Et là, on revient justement à l'élève qui devient acteur, justement, et pas simplement un
consommateur. Ce n'est pas un idiot culturel, il a du savoir et on apprend de nos étudiants comme on apprend des élèves. Donc je pense que bon nombre de sujets sont intéressants. On va pouvoir développer et puis on a décidé tous ensemble de partir sur le bien-être et non pas le mal-être. Ça reprend le principe aussi de ne pas être sur une pathogénèse, mais plutôt une salutogénèse. Comment améliorer les choses et non pas simplement soigner quelque part le mal. Donc avoir une vue positiviste qui peut être intéressante. Bref, l'ESPE aussi, c'est important. Quand vous parliez, hein, j'ai noté, recracher pour les médecins en quatrième année. Nos étudiants ont un concours en fin de première année. Et donc, forcément, dans le libre choix, il y a un effet très boudonien, très rationnel, de dire je vais avoir mon concours, donc je vais me situer dans ces tubes-là qui me permettent d'avoir un concours au détriment de la découverte du monde, qui est le monde scolaire et du métier d'élève et d'enseignant parfois. Donc voilà, pas mal de questions qui vont justement être abordées par nos invités aujourd'hui. Et puis, vous dire aussi que après coup, bien entendu, j'espère qu'il y aura un foisonnement d'interrogations, de questionnements liés à ce débat. Alors Bénédicte, je vais te laisser la parole pour un petit peu interroger Monsieur Pomereau. Alors, tout d'abord, je vous remercie vraiment de cette présentation, parce que je trouve qu'elle est très parlante, très... J'ai retenu plusieurs mots-clés, enfin, je pense que c'est un peu le fil de ce que vous avez consommé, consumé, numérique, mix entre un et deux, et vomissement. Donc c'est pas très glamour, hein, pour finir ça, mais en même temps, je trouve que c'est pas forcément... comment dire... Vous avez employé un terme que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était sans pouvoir digérer les choses. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas notre rôle à nous, enseignants, psy, adultes tout simplement, cette convocation-là qu'il faut entendre chez l'adolescent. Et je pense que voilà, le pouvoir, il est à partager. J'ai bien aimé quand vous avez parlé de l'inversion. Sur certaines choses, en effet, la digitalité, ils en savent certainement bien plus que nous. Et l'idée de les valoriser en leur accordant cette place d'acteur, je trouve qu'elle est peut-être aussi un participe de ce pouvoir aider à digérer. Et je trouve qu'on questionne pas assez peut-être ce vomissement de l'adolescent. Vous avez parlé de gastro-psychique, mais je trouve que l'opposition... La manière de s'opposer de l'ado quand il vient pas en cours parce qu'il trouve qu'il a peut-être mieux à faire, il va pas nous le dire qu'il a mieux à faire que de venir à son cours de maths, par exemple. Mais en tout cas, j'espère simplement qu'il va prendre du plaisir quand il va pas y venir. C'est-à-dire que je trouve ça toujours un peu dommage. Alors, je fais référence un peu au CPE qui interroge les absences des élèves. Et en leur disant, c'est pas bien, tu n'es pas venu en cours. Alors, je dis pas que les CPE font ça, ils sont très bien formés ici, on est bien d'accord, mais... Voilà, c'est souvent la question qu'on leur pose. T'es pas venu en cours, pourquoi? T'es pas motivé, etc. Et en fait, alors je sais pas si c'est très éducatif de dire ça, hein, et si ça se dit tout simplement, mais est-ce qu'on peut pas leur poser la question de tu n'es pas venu en cours, est-ce que tu as fait quelque chose qui t'a fait du bien? Enfin, je sais pas si ça se pose comme question, mais je trouve que voilà, on pense le bien-être à l'école. Non, mais c'est peut-être un petit peu provoquant ce que je dis là, mais c'est vrai qu'en fait, on pose la question du bien-être en termes d'injonction aussi ministérielle. Enfin, c'est une circulaire, quoi. Voilà, on se doit d'être accueillant, bienveillant, une école bienveillante, etc. Je me pose la question véritablement, dans quelle mesure on l'est vraiment ? Vous avez parlé tout à l'heure de mille feuilles, de programmes, de choses à ingurgiter sans laisser le temps. Enfin, je pense que pour peut-être bien apprendre, il faut qu'il y ait du temps et qu'on y prenne du plaisir. Donc ça veut dire aussi que, quand je dis tout à l'heure, on nous convoque dans notre position d'adulte, c'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'on se fait plaisir à les faire cours? Est-ce qu'on se fait plaisir à les accueillir? Ou est-ce qu'on se fait plaisir à se dire qu'on finira notre programme dans l'année? Enfin, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose en vous écoutant. Je trouve ça très intéressant, l'idée d'une critique numérique. Parce qu'en effet, l'idée de la pêche à la ligne, ça peut être intéressant au lac. Et je trouve que peut-être il faudrait les mettre
dans un, enfin voilà, les amener à aller pêcher aussi, ces jeunes. Vous parliez de mettre la main à la pâte, mais voilà, prendre un grand bol d'air aussi, ça participe certainement peut-être du bien-être à l'école, ou en tout cas de ce qu'on peut en faire après. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant l'idée de, voilà, de les aider à digérer, voilà, pouvoir digérer quelque chose. Et peut-être que la question du scolaire, elle est souvent peut-être la porte d'entrée pour parler de son mal-être. Elle est peut-être la porte d'entrée pour ces questions psycho-affectives où ils n'ont pas les mots, justement. Et c'est très compliqué de simplement montrer une image en disant, voilà, je ne vais pas bien, et comment je suis triste, et je ne sais pas. Et voilà, donc c'est tout ce que m'évoque votre... j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait finalement de ce symptôme scolaire, ou de ces symptômes scolaires qui participent au développement des jeunes, et comment on peut les aider à pouvoir digérer au mieux, voilà, ce qu'on leur demande d'ingurgiter dans un temps très raccourci, quoi. Si vous voulez, ce que je crois, c'est que là encore, il faut se rappeler d'où on part. Est-ce qu'on a envie d'aller à l'école ? On a envie d'aller à l'école au départ parce qu'on veut faire plaisir à ses parents et retrouver des petits camarades. Et puis, c'est seulement ensuite qu'on réalise qu'en réalité, on part un peu comme les guerriers qui sont partis la fleur au fusil, on est dans un système. Ce système, nous voudrions tous que ce soit un cadre d'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui est matérialisé, qui est borné, qui a des limites, et qu'il permette d'ouvrir au monde, d'aller vers l'évolution. Mais ça suppose qu'on ait aussi en tête ce que c'est qu'une limite. La limite, ce n'est pas une ligne de démarcation entre une zone à une autre. C'est pas la limite, ce n'est pas la ligne au-delà de laquelle les billets ne sont plus valables. La limite au sens latin, limes limitis, c'est la bande de territoire, l'entre-deux, qui sépare deux terrains contigus, qui n'appartient ni à A ni à B, mais au sein de laquelle, dans cette épaisseur, les voisins vont se rencontrer, vont se parler, et on l'espère, se définir mutuellement leurs frontières réciproques pour qu'il y ait une paix dans l'entre-deux. Si on enlevait l'entre-deux, il est probable que la juxtaposition des deux terrains amènerait à des frictions. Si on met un mur entre les deux, on empêche les deux voisins de se parler, puisqu'on ne parle pas à un mur. Eh bien, moi, je pense que le cadre d'évolution scolaire est un formidable lieu d'apprentissage de la limite. Parce que la limite, elle n'existe pas forcément à la maison. Et elle existe difficilement en société. Et si, on part ensuite en société, une fois qu'on quitte l'école, sans savoir exactement ce que c'est que la limite, et sans être capable de préciser la notion de limite, ben on est, encore une fois, dans un risque de confusion très important. Alors, comment est-ce qu'on peut matérialiser la limite à l'intérieur d'une école ? Ben de plusieurs façons. Tout ce qui vient définir la position des uns par rapport aux autres, et tout ce qui vise à amener des choses qui respectent, en quelque sorte, deux territoires, si vous voulez. Ce qui ne va pas, par exemple, pour vous donner un exemple, qui n'est pas un exemple d'enseignement, mais qui est un exemple institutionnel. Le premier endroit que je vais visiter dans un établissement scolaire, quand on me demande de donner un avis sur la violence qui y règne, par exemple,
c'est les toilettes. Et il y a un formidable enjeu lorsque il y a des toilettes pour les professeurs propres et fermées à clé, et des toilettes pour les élèves sans papier, sans savon et avec des portes à claire-voie qui ne ferment plus parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent se droguer sans qu'on puisse ouvrir les portes. Ça, c'est deux territoires qui ne peuvent pas se reconnaître. Si vous rajoutez une cantine, un réfectoire, conçu par un architecte qui a eu sa créativité contrainte par un budget resserré, qui a donc construit en tout et pour tout un hangar où les bruits évidemment d'objets métalliques et de paroles résonnent d'une manière terrible, avec une file d'attente pour passer devant évidemment une chaîne alimentaire, puisqu'il faut respecter les normes européennes, et que vous avez une seule file avec un mélange égalitariste élève-professeur, mais avec une partie des professeurs qui double impunément les autres, on obtient là encore une friction et l'absence d'entre-deux, alors qu'aucun élève ne verrait aucune objection à ce qu'il y ait, comme au ski, une file pour les professeurs. Deux files. La file des élèves et la file des professeurs. Pourquoi vouloir toujours ramener les choses à l'égalité alors qu'on n'est pas à égalité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'égalité? On est à égalité en tant qu'être humain, on est à égalité en tant que citoyen du monde et de notre pays. Mais on n'est pas à égalité de position et de situation, notamment dans un environnement scolaire. Donc, voilà par exemple, si vous voulez, des principes qui doivent être absolument visités avant d'envisager les limites qui vont se produire à d'autres niveaux, comme par exemple, je suis stupéfait de voir le nombre d'établissements où la salle des professeurs a une immense baie vitrée donnant sur la cour, mais à un mètre du sol, ce qui fait que toutes les dames professeurs en jupe s'exposent, sans le vouloir, à des élèves qui peuvent regarder leur dessous. Et j'ai déjà eu, figurez-vous, dans des établissements où les pauvres professeurs étaient obligés eux-mêmes de mettre des cartons pour se protéger de la vue des élèves, parce que le chef d'établissement n'avait pas envie, ou le budget, je ne sais pas, pour mettre un peu d'opacité à un mètre du sol, pour éviter que les professeurs soient maltraités en étant exposés à la vue de tous. Tous ces micro-détails-là sont extrêmement importants pour l'ambiance scolaire. Les élèves ne se plaignent que très rarement, finalement, des compétences de leurs professeurs en termes d'enseignement. Ils savent très bien, ils ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'il y en a des meilleurs que d'autres, que dans la vie, de toute façon, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que d'autres dans tous les domaines. Ce qu'ils ont du mal à supporter, c'est quand on leur fait croire qu'il y a des limites bien nettes, alors qu'elles ne sont pas du tout en place et qu'elles sont trop floues. Et ce qui les amène, par exemple, je pense aussi à un autre aspect, il y a des zones, il est interdit de fumer dans les bâtiments, alors c'est vrai pour les élèves, c'est pas vrai pour tous les professeurs, ou bien certains professeurs voient des adolescents, un groupe de 3 ou 4 adolescents fumer un pétard, il détourne la tête parce qu'il est professeur d'anglais, lui il fait pas dans la réprimande et dans le respect de la loi. Tout ça, si vous voulez, c'est hyper toxique pour l'institution scolaire. Un minimum de solidarité du corps adulte est absolument impératif et pacifie beaucoup les relations. Les établissements les plus violents
sont souvent ceux où ces règles de base ne sont pas du tout appliquées. Alors, quelqu'un, non ? Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu faire un commentaire ? Pour relayer un petit peu sa formation, c'est vrai qu'en ce moment, il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur l'impact du bâti, justement, sur les violences, les interactions, aussi bien les espaces d'apprentissage, les espaces de circulation, les sas de décompression qu'on dit en récré, alors que c'est d'une violence extrême, et tout ça se réfléchit, et donc il y a des travaux qui commencent à émerger sur le fait que bon, on construit des écoles, mais à leur tour, les écoles peuvent façonner ceux qui y vivent, justement. Alors là, on va relayer, justement, on parlait tout à l'heure de partenariat, de bien-être, donc je vais laisser la parole à Corinne Genet, qui est donc médecin scolaire, et ensuite, je vous présenterai, parce qu'on est à l'ère du numérique, donc on va présenter un extrait du Serious Game, justement, qui a mis au point avec une méthodologie rigoureuse justement Monsieur Pomereau concernant Clashback au niveau de l'adolescence. Donc il y aura un extrait puis on discutera là-dessus. Il n'y a pas de micro là ? Tiens. Bonsoir. Donc je regardais la salle réagir à vos propos et je me disais que chacun des thèmes que vous avez abordés a forcément fait réagir quelqu'un avec sa propre sensibilité et son histoire. Et j'ai pas pu m'empêcher, moi, de sentir ces propos faire écho à ma semaine. Donc je vais reprendre en fonction de ce que vous avez abordé, ce que ça a évoqué. Voilà. Donc la première chose, c'est prendre et jeter. Et là, deux fois cette semaine, j'ai eu l'impression que des enfants, ils étaient proprement jetés par leur famille. Deux enfants en particulier, ils n'ont pas eu de nouvelles, l'un de sa mère depuis très longtemps et l'autre de son père, et se demandant s'il va être pris par son père pour les vacances de la Toussaint ou pas. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne sait pas comment le joindre. Donc ça, ce fait de prendre et de jeter, je le vois assez régulièrement. On fait un enfant ensemble, et puis après, à un moment donné, l'enfant il est plus suffisamment bon, ou alors la compagne est plus suffisamment bonne, et on va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc cette société de consommation, j'ai un petit peu dramatiquement, alors je suis désolée Eric, hein, tu veux que je parle de bien-être, donc j'y passerai après, mais là il faut que je vidange un petit peu, moi aussi. ma semaine. Donc prendre et jeter. La deuxième chose, c'est absorber sans digérer. Et donc j'ai été amenée à voir cette semaine un petit garçon, justement pour une situation de maltraitance. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais finalement elles arrivent jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'il avait ce petit garçon ? En fait, une enseignante qui m'a sollicité parce qu'à l'école, à la piscine, elle avait remarqué qu'il avait un hématome dans le dos. Et je reçois deux parents tout à fait charmants, un papa avec des critères éducatifs tout à fait marqués, qui m'avait expliqué que le petit bonhomme de CP, ayant passé 2 heures avec sa maman à prendre les jours de la semaine, parce qu'il n'arrivait pas à les mémoriser, au moment de la douche, il lui a fait réciter encore une fois pour vérifier que vraiment il le savait. Et le petit garçon s'est donc mis à chanter lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, il a bloqué sur vendredi. Alors, ça devait être le moment de lâcher prise. Eh bien, lui, il ne lâchait pas prise. Il était sur la prise de tête du lundi au jeudi. Et il n'a pas passé le vendredi. Et donc, ben, forcément, il s'est pris un coup parce que le père a cru qu'à ce moment-là, il se fichait de lui. Donc, il lui a dit, mais écoute, arrête. Maintenant, tu me le redis. Tu le sais. Tu l'as appris tout l'après-midi avec ta mère. Donc, vas-y, dis-le. Le petit n'a pas pu dire. Il était sidéré. Et en fait, comme il était sidéré qu'il ne répondait pas, son père a pensé que ben, c'était de la rébellion, c'était pour, entre guillemets, me faire CH. Voilà ce que me disait le papa. Donc, effectivement, absorber sans digérer, ben, c'est un petit peu ça. Et je vois, du coup, ce corollaire, aujourd'hui, des parents qui décrivaient que leur enfant de 6e a tous les soirs 2 heures de travail. Mais 2 heures de travail, pas en production, pas en réflexion, juste en apprentissage de leçons, des leçons qu'ils seraient censés quand même avoir vues dans la journée. Donc s'ils ont eu une écoute attentive, théoriquement, ils ne devraient pas y passer 2 heures le soir pour apprendre ces leçons. Donc là aussi, cette espèce de remplissage est obligatoire, ça faisait un petit peu écho avec l'enseignement. Ensuite, vous disiez souligner les insuffisances, relever les compétences.
J'ai le souvenir d'avoir vu une élève qui était très absentéiste et elle ne venait qu'à certains cours. Et quand je l'ai reçue, je lui ai dit « Mais pourquoi tu viens spécialement à ces cours ?» Et elle m'explique, elle me dit « C'est simple, je viens au cours de français parce que cette prof-là, elle ne nous dit pas qu'on s'est trompé, elle nous explique pourquoi on s'est trompé. » Et moi, je trouve ça intéressant. Donc oui. Comment faire en sorte qu'un élève ne vive pas mal les erreurs qui sont soulignées, si on lui explique pourquoi il s'est trompé. Beaucoup d'enfants sont persuadés que la faute, c'est grave. Un parent qui récupère son gamin à la sortie de l'école, c'est « Combien tu as fait de fautes à ta dictée ?» C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, savoir que, finalement, oui, je le répète aussi en équipe éducative auprès des familles, je leur dis « Mais apprenez à vos enfants que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que c'est à partir du tâtonnement, à partir, on se prend un vent, on n'y arrive pas, et puis on recommence. » Donc là aussi, je crois que désacraliser les erreurs et valoriser ce qu'ils savent, oui, mais aussi donner une place à l'erreur. L'erreur, elle fait partie de la vie et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Ensuite, vous disiez définir des groupes qui sont bénéfiques pour les adolescents. Eh bien, curieusement, les adolescents, ils savent aussi définir des groupes qui sont néfastes pour eux, mais aussi parce que les enfants fragiles attirent les enfants fragiles. Donc, aujourd'hui, justement, on était en train de parler d'un jeune qui est en grosse difficulté. Eh bien, ses copains sont aussi des jeunes qui sont en très grosse difficulté parce qu'entre eux, ils se comprennent, ils savent de quoi ils parlent et puis ils sont un petit peu rejetés aussi par leurs pairs, ceux qui vont éventuellement mieux sur le plan des apprentissages et puis aussi ceux qui vont se retrouver éventuellement dans la rue le soir parce que les autres, ils sont un peu fliqués par les parents devant les devoirs et qui vont avoir quand même un certain nombre de choses à faire en rentrant à la maison, tandis que d'autres vont rester un petit peu livrés à eux-mêmes et vont se retrouver entre eux et les clans vont se faire, les groupes vont se constituer et on aura beau vouloir essayer de faire des groupes politiquement corrects, il faut savoir qu'à l'extérieur, les groupes politiquement incorrects vont se recréer parce qu'ils ont des choses à partager qu'ils ne peuvent pas partager éventuellement avec d'autres élèves peut-être plus favorisés. Dernière chose, la petite anecdote de l'architecte. Parmi mes établissements, j'ai une cinquantaine d'établissements en charge. Il y a un collège qui a un ascenseur qui va jusqu'au premier étage, pas au-delà. C'était juste pour dire ça, il y a quand même 3 étages. Voilà. Et enfin, quelque chose sur quoi je ne pouvais pas ne pas réagir, c'est les enfants en situation de handicap ou les classes. Alors, j'ai une pensée émue pour chacun de vous qui va prendre en charge un enfant autiste, un enfant déficient visuel. Je ne suis pas d'accord avec votre position. Je ne suis pas d'accord avec votre position parce que la société, c'est justement que ces personnes en situation de handicap vivent avec nous et c'est actuellement ce qu'on vit. Donc pourquoi ? Alors, il y a des classes spécialisées pour certains types de handicap très lourds quand les enfants sont vraiment en souffrance au milieu des autres enfants ou qu'on n'arrive vraiment pas à trouver un moyen d'accueil. Mais dans l'ensemble, je les trouve plutôt pas mal intégré du tout. Je trouve que c'est une sacrée leçon de vie pour leurs copains et leurs copines, une espèce de leçon de solidarité, de montrer que des fois, la vie n'a pas été tendre avec nous et certains de ces élèves en situation de handicap en démontrent pas mal à leurs camarades et leur montrent au contraire que des fois, il faut avoir la niaque. Tout n'est pas gagné au départ et on y arrive. Donc moi, je trouve que c'est une très belle leçon de vie et c'est pas forcément quelque chose de déstabilisant. Et ensuite, quand ils ont envie de s'en prendre à un jeune, éventuellement de le désinguer et de le mettre à mal, il n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour ça. Il suffit qu'il soit un peu fragile psychologiquement, qu'il soit un petit peu enrobé, qu'il soit un peu timide, qu'il ait un trouble, en tout cas qu'il ait un bégaiement, et on va lui tomber à bras raccourcis parce qu'il sera une victime choisie. Donc je crois que les adultes doivent plutôt continuer à ouvrir la tolérance de leurs élèves en étant tolérants eux-mêmes et justement en tolérant ces élèves aussi et je vois des efforts énormes qui sont faits. Donc j'ai une vision beaucoup plus optimiste que la vôtre parce que je suis dans ces établissements, j'assiste à ces scolarisations d'élèves et j'ai très peu d'élèves, je les vois assez régulièrement, j'en ai peu qui me disaient qu'eux en tout cas ils souffraient de ça et j'ai pas eu non plus trop d'élèves en souffrance me parlant de cette difficulté à côtoyer le handicap.
Enfin, pour dire ce qui est du bien-être, bon, alors c'est vrai que en tant que médecin scolaire, j'ai plutôt tendance à voir les enfants qui vont pas bien. Ceux qui vont bien, a priori, ils ne me voient pas. Mais en tout cas, sachez aussi que les médecins scolaires sont des interlocuteurs pour les enseignants et on est souvent en droite ligne. Le mail étant relativement facile, c'est vrai que j'ai la boîte mail facilement saturée d'interpellations en disant bon, ben voilà, il m'est arrivé telle chose. En cours, il y a une élève qui vient avec des bandeaux autour des poignets. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir, je dois pas voir? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a un élève qui dort tous les jours dans le fond de ma classe. Est-ce que je dois le réveiller? Est-ce que je dois pas le réveiller? Il y a des enseignants qui disent, bon, et quand l'élève refuse de sortir son cahier et qu'il me regarde avec sa capuche sur la tête, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a d'autres qui disent, bon, bah, mes collègues passent leur temps à exclure les élèves de cours, moi je ne veux pas, mais en même temps, des fois, ils m'y forcent. Quelle autre solution j'ai? Donc voilà, c'est tout plein de solutions, tout plein de questions. Oui, allez-y. En tant que professeur, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas passer, alors pas tout le dossier de l'élève, mais des dossiers, par exemple, des élèves qui sont battus, qui ont été anorexiques. Pourquoi, en tant que professeur, on ne peut pas le savoir? Alors, vous voulez le savoir pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai une élève qui est assez compliquée, qui, ouais. Quand je lui ai demandé quelque chose, certains jours, va me dire non. En gros, elle se fout de moi. Et je sais pas, en sachant, alors j'ai une autre prof qui me dit oui, mais tu sais, elle est anorexique, elle se scarifiait. On peut essayer aussi d'avoir un autre comportement. Alors, voilà aussi une question pour monsieur Pomereau. Comment agir avec des élèves dont on sait, alors par prof, mais chut, on le dit pas, comment agir avec des anciens, des anciennes anorexiques, des anciennes qui se scarifient? Comment agir avec ces élèves? Est-ce qu'on fait normal? Je ne sais pas, moi, je ne vais pas m'amuser à virer cette élève. Alors, de mon cours parce qu'elle ne veut rien faire. Je vais laisser la parole à M. Pomereau pour vous répondre, mais puisque vous sollicitez des informations sur la santé des élèves, dans l'hypothèse où une élève ou un élève vous interpelle et vous met mal à l'aise ou vous ne comprenez pas son comportement, vous pouvez aussi échanger dans ce cas-là avec vos collègues, avec l'infirmière scolaire, qui par ailleurs est tenue au secret médical, donc ne vous livrera pas forcément des informations qu'elle est tenue de respecter, mais vous pouvez vous interroger et demander autour de vous s'il y a des personnes qui ont la même inquiétude pour cet élève ou pas. Voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Les élèves ont aussi le droit d'oublier et en tout cas à vos yeux d'être des élèves qui n'ont pas de soucis de santé, et je crois que c'est très bien pour la plupart d'entre eux que vous ne sachiez pas qu'ils ont vécu tout ça. Et ceux qui ont quelque chose à vous le dire, ils sauront vous le faire passer comme message. C'est à vous aussi de recevoir les signaux qu'ils vous envoient. Et là, je laisserai peut-être M. Pomereau vous parler de ces signaux, parce que finalement, quand on est réceptif à ça, on se rend compte qu'il y a énormément de messages qui passent d'élèves à professeurs pour peu qu'on sache les entendre. Et après, ben, charge à vous d'aller chercher les informations là où elles se trouvent. Mais on ne pourra jamais, en tout cas moi en tant que médecin, je ne vais certainement pas faire un listing de tous des 1000 élèves de ma file active pour aller prévenir tous les enseignants un petit peu partout de ce qui leur arrive. Par contre, je suis tout à fait disponible pour des échanges au sujet d'un élève qui inquiète un enseignant. C'est tout à fait possible. Alors, il y a deux questions auxquelles vous pouvez répondre. C'est bien entendu l'aspect du handicap. En tant que chargé de mission handicap, on sait qu'inclure, c'est bien, mais les lois peuvent parfois plus exclure qu'inclure, d'ailleurs. Et puis, on ne peut pas aller vers une inclusion forcément totale. Parfois, il y a des spécialistes et des gens spécialistes qui vont justement beaucoup plus aider les adolescents. Il y a déjà eu des recherches là-dessus, mais on va essayer qu'en effet, ces jeunes vivent une réalité plus ordinaire. Et ensuite, après, c'est la question, bien sûr, quand on est enseignant, on est dans une interaction, c'est ce fameux entre-deux, c'est une rencontre goffmanienne, et on se pose la question comment faire quand il y a des difficultés. Et là, je pense qu'il y a deux réponses qu'on attend de ouais. votre part. Là. Oui, alors, je comprends tout à fait votre position qui est saine, de dire, l'école est un lieu d'accueil de tout le monde, et il faudrait pouvoir, dans les classes, pouvoir intégrer tous les élèves, quelles que soient leurs conditions
notamment en termes de handicap. Mais moi, les retours que j'ai, c'est que, si vous voulez, dans des cas de grave handicap, le manque de personnel susceptible de venir assister cet élève dans la classe met le professeur en situation d'otage. Je l'ai vécu d'ailleurs avec mes filles qui ont eu dans leur classe des amblyopes, qui étaient victimes d'actes de sadisme tout à fait évidents de la part d'autres élèves. Ils ont été sadisés par d'autres élèves, ces pauvres amblyopes, et il manquait dans la classe une personne pour s'en occuper en assistant le professeur, pour que le professeur ne soit pas au four et au moulin, si je puis dire, à être à la fois en train de s'occuper de ces jeunes gens très handicapés et en même temps de s'occuper aussi du reste de la classe. Donc c'est mon état d'esprit, si vous voulez, c'est attention à ne pas plomber une classe et son professeur avec des enfants trop handicapés. Et je fais la jonction avec ce que dit madame. Il y a une différence, à mon avis, entre, en effet, des états de mal-être qui restent assez secrets, qui restent des préoccupations dans la tête et donc qui, pour le professeur, ne représentent que un élève en difficulté qui est un élève fragilisé et en mal-être sans forcément savoir de quoi il s'agit. Et puis l'élève, et vous en aurez, et vous en avez déjà, qui, en vous regardant, se scarifie en classe, par exemple, avec une flaque de sang qui grossit sous le... Que faut-il faire ? Eh bien, mon idée, c'est qu'on est obligé, à ce moment-là, en effet, d'essayer d'estimer ce qui est supportable pour soi et pour la classe, et ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'en effet, il y a des situations, et on est les premiers à le reconnaître quand vos collègues nous saisissent de ces questions, où on est nous-mêmes dans l'obligation de dire cet élève, en ce moment, n'est pas scolarisable, compte tenu des attitudes, des troubles des conduites qu'il présente, et qui rend les choses impossibles. Ce n'est pas possible de laisser un élève se scarifier dans la classe. Vous voyez, c'est des choses qui sont... Ou se faire vomir dans le couloir, ce qui existe. Attendez le micro peut-être. Oui, dans l'idéal, effectivement, les classes sont faites pour tout le monde et on est tenu d'accueillir toutes les personnes qui sont amenées à y être. Mais ça pose quand même un problème d'accompagnement. À partir du moment où, effectivement, et ça c'est du vécu, à partir du moment où on a l'accompagnement qui va bien et qui permet d'accueillir l'élève, c'est une richesse pour la classe. Mais à l'heure actuelle, on est confronté dans nos classes à des élèves avec des handicap, et pas toujours des handicaps d'ailleurs, on est à la limite du handicap bien souvent, qui se conjuguent et qui génèrent des situations absolument ingérables. Et on est confronté à qu'est-ce qu'on fait pour un élève alors qu'on a un groupe en charge. Voilà. Donc moi je crois que le problème avant tout, c'est qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce qu'il faut intégrer à tout prix et à n'importe quelle condition ? C'est ça la... Il me semble la véritable question. Qu'on a, moi, je crois qu'en ce moment, depuis quelques années, on intègre trop des élèves souffrant de trop graves handicaps pour être dans une classe standard. Voilà ce que je crois. Après, je suis le premier à considérer que ces pauvres jeunes gens ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Et encore une fois, ce n'est pas leur dire laissons-les à la maison, ils ne sont pas capables. Ouais. Ce n'est pas ça. Mais ils ont besoin d'un accompagnement spécialisé sans lequel le professeur va être pris en otage. Je pense en ce moment à un autiste qui mord ses camarades. Bon. Comment fait le professeur qui est en classe avec un élève complètement à l'ouest, pour dire les choses, il est
un très grand autiste qui, par moment, a des accès de violence et qui part mordre ses camarades. C'est pas gérable, enfin. C'est pas possible. On peut pas demander au professeur de dire, ben voilà, ben non, mais alors attends, viens, explique-moi pourquoi tu mords tes camarades. Parce que lui-même, l'enfant ne le sait pas et ne peut pas l'expliquer. Il a besoin d'un accompagnement et peut-être d'une prise en charge spécialisée. Seulement, le souci, c'est que, justement, ces derniers temps, on a supprimé beaucoup de postes d'enseignement spécialisé. Et du coup, ben voilà, ça. Il y a aussi cet effet-là, si vous voulez. Il n'y a pas que des bons sentiments dans les décisions. Oui. Il n'y a pas que l'idée de vouloir intégrer tout le monde dans un même cadre de manière égalitaire. Il y a aussi des réductions d'effectifs dans certains domaines qui obligent, du coup, à scolariser dans le même dispositif des jeunes gens qui mériteraient, dont l'État mériterait une prise en charge plus, peut-être d'ailleurs en nombre beaucoup plus réduit et de façon extrêmement spécialisée. Je pense qu'il y a aussi un problème de déficit dans la formation. Hein. C'est qu'on n'est pas tous bien formés non plus à accueillir un élève en situation de handicap. Donc, c'est pas faute de se battre. On a le... Mais je veux dire, voilà, c'est ça aussi qui met en difficulté, c'est qu'on n'a pas les clés de lecture non plus. Et c'est un peu subi, ouais, souvent, pour tout le monde. En ce moment, j'ai le cas, voyez-vous, avec un établissement scolaire dont on taira le nom, de Bordeaux, où un certain nombre de jeunes gens du centre Abadi, ils sont scolarisés et ils provoquent des sortes d'épidémies. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu deux jeunes filles qui ont commencé à présenter des espèces de syncopes de manière extrêmement spectaculaire. Et maintenant, d'autres élèves pratiquent la syncope. Il y a des jeunes filles qui se scarifient et on a une espèce de contamination, d'épidémie, si vous voulez, de scarification. Et ça, c'est aussi une caractéristique des adolescents. C'est-à-dire qu'on sait bien que le risque de reproduction de troubles du comportement va interroger justement ce qui fait limite dans l'établissement. Et là, l'établissement dont je parle ne dispose pas d'infirmières scolaires. Et du coup, on voit bien qu'il y a un manque là, qu'il y a un manque d'entre deux, parce que les professeurs disent, nous on ne peut plus faire, c'est plus possible. Quoi. Alors entre, il y en a une qui tombe face contre terre en plein cours, l'autre en train de se scarifier, enfin, bon, c'est pas la peine, quoi. On est à l'hôpital psychiatrique, enfin, donc c'est ingérable. Et on va rencontrer le chef d'établissement de cet établissement et on va essayer de faire en sorte qu'il ait une infirmière scolaire. Parce que là, on voit bien que, si vous voulez, c'est justement quelque chose qui doit faire frontière. Quand un élève pose des problèmes inquiétants à un professeur, il faut pouvoir utiliser les différents maillons du dispositif qui font que, normalement, une infirmière doit pouvoir le voir et... alerter le médecin scolaire quand ça dépasse que l'importance, la gravité des choses nécessite la mobilisation médicale. Mais il faut aussi utiliser ces différents rouages, si vous voulez. Trop souvent, le mélange des genres ou bien le chef d'établissement qui un peu rond, vous voyez, qui dit non, mais débrouillez-vous, madame Martin, vous êtes très bonne, vous, en psychologie. Ça existe, hein. Elle a des pansements dans son placard, elle est prof de SVT, oui, on en connaît. Oui, et puis c'est la difficulté aussi, je pense, justement, de convoquer cette communauté. Et plus l'enseignant il est moins formé dans une classe ordinaire, oui, plus, à un moment donné, il va mettre de la distance. Bien sûr. Et à distance corporelle vis-à-vis du handicap, à distance sociale, et il va se refermer sur lui-même, plutôt que s'ouvrir. Donc c'est le cercle vraiment vicieux. Écoutez, on va laisser peut-être une ou deux questions sur ces problématiques très importantes. J'ai vu des doigts se lever. Puis ensuite, on va présenter le Serious Game pour montrer qu'on est bien à l'ère du numérique.
Alors, plutôt qu'une question, c'était juste pour affirmer, donc pour rebondir sur le déficit de formation. C'est bien d'avoir une formation effectivement sur les différents handicaps, de savoir à peu près à quoi on s'attend et comment surtout s'adapter nous en face. Mais je n'ai pas fait d'études de médecine et je ne souhaite pas en faire. Donc effectivement, il y a quand même une limite. Et je suis désolée d'aller, enfin presque désolée d'aller dans votre sens, Monsieur Pomereau, mais il y a effectivement une limite. Et pour avoir connu les deux cas d'élèves autistes, l'un avec AVS, autisme léger, et un autisme lourd dans une classe avec aucune aide, et la seule responsabilité de la sécurité physique et morale de mes élèves, puisque aucune aide à attendre non plus du BVS quand je demandais un peu d'aide, bureau de vie scolaire. Donc autant vous dire que quand un élève fait une crise et qu'un autre élève qui est plus fort physiquement doit vous aider à maîtriser cet enfant-là afin qu'il ne se blesse pas, tout le monde sort de son rôle. L'enseignant sort de son rôle, l'élève qui aide sort de son rôle, et l'élève, lui, qui fait une crise, est maltraité. Hein ? Donc c'est de la maltraitance pour l'enseignant, c'est de la maltraitance pour les élèves. Donc ça, c'est la limite de la bienveillance à tout prix et de la bienveillance sans argent, sans financement. Hein, voilà. Donc effectivement, y a ça et il y a le fait que faire une formation, oui, mais en gardant certaines limites. Je ne suis pas enseignante spécialisée. Je suis enseignante dans un collège général ou un lycée général ou professionnel. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne pense pas que toute situation de handicap soit scolarisable. Néanmoins, on est quelquefois un peu pieds et poings liés par la loi de 2005, par l'absence de place en établissement spécialisé, on l'a dit, des enfants qui sont en attente de placement en établissement, enfin en tout cas de suivi en établissement spécialisé avec une file d'attente de 2 ans, voire 3 ans. Ça m'est déjà arrivé de voir un enfant qui attendait une place en ITEP pendant plus de 3 ans. Il est hors de question de mettre en souffrance les adultes, et c'est vrai que parfois vous l'êtes. Néanmoins, je pense que dans ce cas-là, vous avez la possibilité de demander à ce qu'il y ait une équipe de suivi qui se tienne pour parler de cette souffrance et de cette situation, et pour qu'il y ait une alerte qui soit posée au niveau de la MDPH en termes d'accompagnement. Enfin voilà, j'ai vu des situations. Justement. Oh, j'ai connu le cas où, en situation d'alerte, une AVS a été débloquée en une semaine. Donc, quand vraiment on sait faire remonter les choses de façon assez explosive, en tout cas en expliquant le caractère d'urgence de la situation, bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous aurez une AVS chaque fois que vous allez claquer des doigts, mais en tout cas, quand il y a vraiment des situations extrêmes comme celles que vous décrivez, je crois que c'est intolérable de subir ça pendant un an sans avoir l'aide une aide humaine avec vous. Ça, c'est tout à fait... Voilà. Juste... Alors, là, je voulais ajouter, parce qu'il y a des étudiants qui sont en situation de handicap, en fonction de leur formation, on voit les limites aussi du médecin, c'est-à-dire qu'il n'est pas pédagogue. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt une entraide. Le médecin, il est sur la déficience, il peut nous relater les effets, mais à un moment donné, nous, on est dans la formation, et j'ai vu bon nombre d'étudiants recevoir des aménagements qui étaient obsolètes. En partant de l'hystérocité, justement, de l'individu. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent aussi sur la trajectoire, qu'il y a des nouveaux métiers émergents de médiateurs, parce qu'il y a un manque de temps. Et puis on s'aperçoit que ce soit dans la formation ou dans les familles qui sont avec ces altérations, le temps de ces jeunes en altérité, le temps des familles, est souvent, malheureusement, pas le temps des institutions. Et on court après, et c'est ce décalage qui est vraiment difficile. Monsieur Pomereau, avant de passer à votre serious game, est-ce que vous voulez... rajouter quelques... Peut-être expliquer quand même secondes pourquoi on a fait ce support. Bon, on avait l'impression justement que sur certains sujets un peu sensibles, même avec les psys, les ados ne peuvent pas trop s'exprimer, ont peur d'être jugés. Car aujourd'hui, un autre effet de l'autodéfinition de soi à travers ce qu'on donne à voir,
c'est que les ados ont toujours peur d'être jugés et maltraités par le regard. Ils disent, d'ailleurs, quand ils se battent, « il m'a mal regardé ». Donc, il y a l'importance du regard, ils sont audio-visuels, mais visuels plus qu'audio encore. Donc, on s'est dit, il y a des sujets, par exemple, parler de la vie en famille recomposée comme ça, sans support, c'est compliqué parce que très vite, ils peuvent se sentir jugés. Parler des tensions autour des résultats scolaires, parler de la jalousie intrafamiliale, parler de tous ces sujets-là est compliqué. Donc on a considéré qu'étant donné que c'était des enfants du numérique, on allait inventer, créer un support numérique sous une forme de jeu, qui est un serious game, c'est-à-dire un jeu sérieux, dans lequel le joueur incarne une jeune fille de 16 ans qui essaie d'obtenir de la part de son père un tatouage, l'autorisation de se faire tatouer. Donc ça, c'est le prétexte qui intéresse les adolescents. Et à l'intérieur de ce, évidemment, de ce prétexte, on a des sous-thèmes, tout ce dont on vient de parler, la vie en famille recomposée, les problèmes sentimentaux, les problèmes de relations intrafamiliales, etc. Et on a donc eu l'aide d'un certain nombre de jeunes gens pour nous aider à fabriquer ce jeu, qui n'est pas un jeu qu'on donne aux adolescents, qui est un jeu dont le maître d'œuvre doit être un adulte, un éducateur, un enseignant ou un soignant, qui, avec un adolescent et plutôt avec un groupe d'adolescents, fait jouer l'un d'entre eux sous le regard et avec les commentaires des autres autour de lui. Alors on va présenter la vidéo, mais initialement il y avait une question, c'est ça? En fait, allez-y, je vous en prie. Bonjour, j'ai deux questions sur l'accompagnement. D'ailleurs, ordinateur. Oui, désolée. J'ai deux questions sur l'accompagnement des élèves du numérique. La première est la suivante. Est-ce que leur défaut de bien-être ne s'expliquerait pas en partie par le fait qu'ils ressentent aujourd'hui un décalage entre la facilité qu'ils ont à s'identifier à l'évolution rapide de la société, par le biais des objets numériques notamment, et la difficulté qu'ils ont à s'investir dans les apprentissages scolaires fondamentaux qui nécessitent pour eux plus de concentration et dans lesquels ils ne trouveraient plus assez de sens? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question est la suivante. Ne nous revient-il pas à nous, enseignants ou futurs enseignants, d'opérer avec eux une communication plus authentique pour les rassurer et leur permettre de faire le lien entre les apprentissages fondamentaux scolaires indispensables et l'environnement toujours plus dynamique dans lequel ils sont et resteront acteurs toute leur vie durant? Et là, vous demandez quoi ? Je voulais savoir quel est votre point de vue sur ces deux questions. Si vous voulez, le problème de fond, c'est que, comme toujours, sans qu'on sache quelle est la poule, quel est l'œuf, les mentalités et les modes de vie évoluent avec l'essor des sciences et des techniques. Et en ce moment, on est dans une révolution, en effet, qui est en cours, qui est loin d'être terminé. Là, on est avec un écran. Dans un an, deux ans, trois ans, ce sera en hologramme. Donc, on voit bien qu'on est en pleine révolution. Et les ados ont des représentations qui sont modifiées par ça. Donc, c'est sûr que, par exemple, ils sont polyvalents. Ils sont capables d'envoyer un texto en même temps qu'ils continuent à parler à quelqu'un. Et le prix de leur polyvalence, c'est qu'ils ont un temps unitaire de concentration qui se réduit. Et du coup, on a des études qui montrent que
un adolescent de début de lycée, donc on va dire de seconde, a un temps sur une matière scolaire, pas sur un jeu, mais sur une matière scolaire, a un temps au départ unitaire de concentration optimale d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il a besoin d'une pause. Et au bout de la pause, il peut se remettre pour un quart d'heure de concentration à condition que ce soit intéressant. Donc il faut qu'il y ait une relance de l'enseignant. Vous voyez, c'est exactement comme les publicités. Enfin, il faut une sorte de rythme. On parle des rythmes scolaires, mais voilà un rythme, comme on le dirait, si vous voulez, dans un morceau musical. Il faut que, s'il n'y a pas de relance, ils vont lâcher l'affaire. C'est ça qui est terrible. Donc, c'est compliqué, et c'est, un enjeu. Et du coup, je crois qu'il faut pouvoir intégrer ce type de difficultés et se dire qu'en effet, ils sont à la fois victimes de ça et puis les acteurs de ce genre de choses. On est frappé, nous, de voir à quel point ils ont très vite une attention qui s'émousse. Et lorsque, justement, on leur demande des apprentissages, c'est encore plus vrai. L'effort, pour eux, est coûteux, et tant qu'ils n'en voient pas le profit direct, ils n'ont pas trop envie de faire des efforts. Voilà. La culture de l'effort, si vous voulez, c'est un concept qui est à revisiter complètement dans le cadre de notre société numérique. Allez-y. Merci. Aujourd'hui, j'enseigne depuis début septembre. Je les laisse se mettre en groupe d'affinité et on arrive à ce que vous dites, les exclus se retrouvent entre exclus, les perturbateurs entre eux. Comment, il ne faut pas leur imposer pour qu'ils soient acteurs. Comment est-ce que c'est à nous de dire tu es dans tel groupe, tu es dans tel groupe? Ouais. Est-ce qu'il faut se justifier? C'est intéressant ce que vous dites. Il faut les deux, à mon avis. C'est normal qu'ils se ressemblent, s'assemblent, donc c'est normal qu'ils aient des groupes d'affinités naturelles entre eux. Ça, on ne peut pas de toute façon le changer, c'est comme ça, et le professeur ne peut pas intervenir là-dessus. Par contre, dans le groupe, à l'intérieur de la classe, c'est le professeur qui est détenteur, qui est le garant de sa classe. Donc, encore une fois, du cadre d'évolution. À lui, il appartient de pouvoir, en effet, décider qu'il va constituer trois groupes, ou quatre, ou cinq, ou six, et qu'il va répartir les gens en fonction d'une composition qui est sa cuisine personnelle et dont il n'a pas à livrer les secrets. Vous voyez ? Mais c'est très important de pouvoir concilier les deux, et c'est ça qui leur permettra aux élèves de ne pas se sentir ni disqualifiés, ni déplacés. Déporté sera un mot excessif, mais vous voyez, d'être placé, voilà. Mais à partir du moment où on leur demande de faire des choses et qu'on les laisse aussi se mettre par affinité à d'autres moments, il y a moins de soucis. Bien, c'est toute la problématique, en effet, des dynamiques un peu des groupes restreints. Et quand on est étudiant justement à l'ESPE, quand il y a des séminaires de mémoire, de méthodologie, il y a parfois des outils scientifiques qui peuvent très très bien être très pragmatiques et utilisables. Et donc là, entre la recherche et le côté pragmatique, il n'y a pas une énorme frontière, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, souvent, de bonnes recherches sont venues grâce aux praticiens. Mais les gens avaient le statut pour écrire et pas ceux qui avaient fait des découvertes. On présente le jeu. Le Serious Game. Et j'aurai deux petites questions après. Salut! Bienvenue dans Clashback! Bon, je vous explique. C'est un simulateur de prise de tête avec un parent. J'imagine que vous voyez le genre. Vous allez voir, mon père est un peu relou, mais c'est un brave type. Alors mettez-vous à ma place, lâchez-vous, montrez qui vous êtes, et surtout, bon courage! Clash, parce qu'il met le joueur en situation de conflit pouvant aller jusqu'à la rupture avec un adulte référent. Back, parce qu'on peut revenir dessus.
analyser la partie et bien sûr essayer d'en comprendre les enjeux. Gino, son père, rentre tard à cause de ses problèmes de boulot. Ce soir, Chloé veut négocier avec lui l'autorisation de se faire tatouer une salamandre qu'elle aimerait voir courir sur sa hanche gauche. Ouais, voilà. Un serious game, c'est un jeu vidéo, game, mais sérieux. C'est-à-dire une application interactive qui combine un mode ludique, mais une intention sérieuse, qu'elle soit thérapeutique, éducative ou pédagogique. Ce n'est donc pas du tout un simple divertissement, encore moins un jeu de simulation ou de combat, dans des espaces virtuels, imaginaires, fantastiques. Salut, pas trop mal, et toi? Une journée de boulot, comme d'habitude. Mais toi, t'as pu éviter le crash en maths? Vous avez dû avoir les notes du dernier contrôle, non? Avec un serious game comme Chloé, les professionnels vont disposer d'un outil de médiation, un outil de communication avec lesados.com. Et nous ne serions pas surpris que, au-delà des professionnels, les parents s'intéressent eux aussi à ce sujet. Tu peux arrêter de mâcher comme ça, tu me gonfles. Toi, t'es pas vraiment sympa avec ton vieux père. Et ça me dit toujours pas combien t'as eu, hein? Une grosse caisse! Lâche l'affaire, je voudrais te parler d'autre chose! On peut jouer sur un simple ordinateur ou sur une tablette. On peut utiliser le jeu en situation individuelle ou en groupe. Et on peut aussi pimenter la consigne en demandant à l'utilisateur de jouer en mode agressif, trash, voire hypocrite. Ok, papounet, tu veux que je fasse réchauffer ta pizza? Ce serious game n'est pas seulement sérieux par son réalisme. Il débouche sur un profil du joueur établi en fonction de ses choix, puisque chaque réplique qu'il choisit incrémente en secret 5 paramètres. La sincérité, l'impulsivité, l'adaptabilité aux questions posées, l'expression des émotions et enfin la compréhension de la situation. Il se poursuit par un bilan complet où je commente, plus exactement mon avatar commente, les choix du joueur, réplique par réplique, en apportant des commentaires et en donnant accès à des rubriques particulières sur les enjeux de l'adolescence et sur les conflits ado-adultes. Alors voyez-vous, ce qui est très intéressant, parce qu'au départ, on a conçu ce serious game en nous disant les ados vont faire les parties, eux, ce qui va les intéresser, c'est la première partie de jeu, où vous avez compris qu'on choisit, à chaque fois, on a 3 dialogues possibles, et le joueur choisit la phrase qu'il veut dire au père. Et le père réagit en fonction. Alors voilà, d'ailleurs, oui. C'est la cinématique de notre production. Ouais. Chloé a 16 ans. Rien que 16 ans. Elle est scolarisée en seconde. Waouh, c'est super important comme info. Ses parents ont divorcé il y a une dizaine d'années. Ça va, je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Elle vivait jusqu'à maintenant avec sa mère et Jérôme, son beau-père. Non, ce gros con de Jérôme. Mais d'incessantes disputes avec Jérôme l'ont amenée à vivre chez son père et sa belle-mère, Lise, et aussi Tom, son demi-frère. Ouais, super, la famille rêvée. Ce n'est pas toujours facile. C'est clair. Chloé est impulsive. Bah quoi, vous me cherchez là? Elle est aussi boulimique et se fait vomir. Oh, ça va, ça me regarde ça. Et elle a d'autres soucis. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Bon, ça va, vous allez pas déballer toute ma vie non plus. Gino, son père, rentre tard à cause de ses problèmes de boulot. Voilà, et du coup, il est chiant. Il fait quoi déjà? Un boulot de merde, je crois. Ah oui, il bosse dans le papier peint. Le rêve, quoi, je vous l'avais dit. Ce soir, Chloé veut négocier avec lui l'autorisation de se faire tatouer une salamandre qu'elle aimerait voir courir sur sa hanche gauche. Ouais, voilà, gauche, à 40 degrés de latitude nord. Elle prétend que sa mère se rangera à la vie de son père. Ouais, bon, c'est un petit mytho, mais chut. Comment le convaincre de signer cette autorisation? Telle est ma mission si je l'accepte. Pour que vous sachiez qu'au départ, on n'avait pas mis la voix de Chloé en off disant des gros mots. Et quand on a commencé à tester le jeu auprès d'ados, il lâchait l'affaire au bout de 2 minutes. Parce qu'il croyait que nous allions faire une leçon de morale
pour leur apprendre qu'il ne faut pas se faire tatouer, que ce n'est pas bien, que je ne sais quoi. Sur le modèle de certains autres serious games, si vous voulez, qui sont ahurissants, enfin, genre, je ne sais pas si vous connaissez, La Planète Bleue. Alors un petit bonhomme arrive et dit « Bonjour, je suis ton ami. Veux-tu sauver la planète avec moi? Choisis la bonne poubelle. Enfin, » c'est pas possible. Donc il s'attendait à ça. Donc on a été obligé, on s'est dit « Mais comment on va faire ?» Alors du coup, ça nous met le programme complètement en l'air parce qu'ils vont pas vouloir du tout y jouer. Et on s'est rendu compte qu'en faisant réagir Chloé à mes propos et en disant des gros mots, dès qu'ils entendent et Jérôme, son beau-père, non, ce gros con de Jérôme, ils se détendent physiquement. On voit que ça veut dire qu'on va pas leur prendre la tête. Et alors je disais tout à l'heure, donc la première partie du jeu, ils y jouent, mais ce qui les intéresse finalement beaucoup, c'est de pouvoir discuter ensuite avec l'adulte du bilan. Donc en fait, ils sont en quête, là encore, de situations. Vous voyez, ça les intéresse de savoir pourquoi ils ont obtenu ce diagramme, à partir de quand la partie a vrillé, et les discussions qu'ils peuvent avoir avec l'adulte qui les amène à jouer. C'est hyper intéressant. Au bout de 10 minutes, par exemple, on est obligé de mettre sur pause, parce qu'ils parlent de c'est vrai que c'est compliqué, de ceci, de cela. Certains trouvent que le père est gentil, d'autres qu'il est lourd, d'autres. Et en réalité, si vous voulez, ça produit un groupe de paroles. C'est très intéressant pour l'adulte qui participe. Oui, vous. Bah bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que, d'ailleurs, si vous voulez, on a aujourd'hui des écoles d'infirmières qui le prennent pour entraîner des futurs professionnels à la relation avec un ado. Parce que ça peut aller loin, ça peut partir loin. Hein. Le dialogue, on peut par exemple, vous voyez, au début, ils vont vouloir ou pas vouloir se faire tatouer. Mais après, on peut en effet modifier la consigne de départ. On peut dire... essayez d'en savoir davantage sur pourquoi le couple parental s'est séparé. Et donc il faut arriver à essayer de passer dans le dialogue pour en savoir davantage. Donc ça donne beaucoup d'indications sur et surtout c'est très accepté par les ados. C'est ça qui était, c'était ça le but. Et il se régale de gros mots. Alors, ça peut partir aussi des trucs énormes. Hein. Et pendant l'entretien, le petit copain envoie un texto. Et donc, le joueur est amené à gérer l'appel du petit copain tout en même temps qu'il dialogue avec le père. Alors, en dehors de la problématique là, qui est là, où on est dans une théorie du conflit et on va essayer de travailler là-dessus avec des choix. Ça, c'est intéressant, justement, on parlait de choix tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi pour les enseignants, c'est de voir le concept d'un point de vue du mot « serious game ». On oppose, pour moi, c'est un oxymore, on oppose le sérieux au jeu comme il faut travailler, il ne faut pas jouer. Donc ça, parfois le serious game me gêne dans son appellation, on va dire qu'on retrouve dans le monde souvent du travail, mais ce qui est intéressant, c'est que vous convoquez aussi le fait du plaisir. Et quand on parle de plaisir, certains philosophes parlent justement que c'est une compétence qu'il faudrait un petit peu plus développer, le plaisir, d'un point de vue justement du travail, ne pas cloisonner ses compétences. Et on s'aperçoit que souvent les professeurs, les enseignants, on entend de parler de plaisir différé. La notion d'effort, de travailler, de répéter pour avoir le plaisir différé. Or, justement, nous qui travaillons sur les jeux et on est sur un groupe plaisir en recherche sur les jeux, on dit qu'il peut y avoir le plaisir immédiat que vous donnez ici et le plaisir aussi différé. C'est pas cloisonné, c'est très poreux entre les deux. Et c'est étonnant de voir qu'on est toujours sur des notions d'effort très turquémienne, mais bon. Voilà. Y a-t-il des questions concernant justement l'utilisation de ces jeux, même en classe? Pour le voir, voilà, c'est www.clash-bac.com. Vous trouverez ça facilement sur Internet.
Bonjour. Donc, je voudrais savoir si l'étude a porté sur des adolescents de familles composées ou de quelle est la nature de tout adolescent. Tout adolescent. On l'a testé, si vous voulez, sur 500 adolescents pris de tous les milieux, et on a vu des choses très intéressantes. D'une part, les garçons acceptent très facilement de jouer le personnage de cette fille, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'ils allaient, eux, dire non, mais c'est un truc de fille et tout, alors que pas du tout. Ça leur pose aucun problème de jouer Chloé. Deuxièmement, la condition sociale n'a aucune importance dans le jeu. On avait choisi, nous, que le papa vit dans un appartement, dans une résidence. On n'avait pas mis une maison pour que on sélectionne pas les choses par l'aisance matérielle. Et en réalité, on s'est aperçu que ça n'avait aucune, pour eux, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui les intéresse. S'il vous plaît, Monsieur Pomereau, vous me permettez de revenir en arrière là pour vous poser une petite question. Alors, je ne sais pas qui a dit, on ne peut soigner des gens contre leur gré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un ne veut pas se soigner, on le laisse tomber? Non. Moi, je suis convaincu, si vous voulez, qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré. On peut le pacifier s'il est ingérable pendant un temps. On peut l'amener à sortir d'un état complètement délirant, crépusculaire, dans lequel il peut rien faire d'autre que de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Mais on ne peut pas le soigner tant qu'il n'est pas partie prenante du soin. Voilà, ça c'est une conviction personnelle. Et je l'applique du point de vue éducatif au fait que je crois qu'on ne peut pas non plus, on ne peut pas faire rentrer dans la tête de jeunes gens des choses si on leur assène les choses de force. Il faut nécessairement qu'ils ouvrent la bouche pour prendre la béquille. Alors, une dernière petite question, ça concerne la réduction des programmes. À un moment, vous avez dit qu'il faut réduire les programmes parce qu'il y a trop de... On est dans la révolution numérique. 40% à dégager. Ah, 40% à dégager. Parce que dans certaines filières, je trouve que déjà les programmes ont énormément rétréci depuis les années 90. Il y a beaucoup trop de choses, mais quand je parle de ça, d'ailleurs, je parle aussi au niveau des étudiants, hein. Les étudiants en médecine, on pourrait dégraisser 40% de ce qu'ils apprennent en quatrième année de médecine. Ça ne modifierait absolument pas leurs compétences médicales futures. Hein. C'est des choses qui, enfin, à l'ère du numérique, apprendre par cœur 750 formules de chimie qu'ils vont s'employer à oublier 3 mois plus tard, c'est stupide. Alors à ce moment-là... On peut leur faire apprendre aussi le Coran, la Bible, enfin, par cœur, ça serait pareil. Vous voyez, il y a une nécessité d'adaptation. Et ça, je voudrais insister sur cet aspect-là par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et sur lequel vous avez rebondi. Justement, parce qu'on ne peut pas reculer, le progrès nous oblige à aller de l'avant. Utilisons l'informatique et les prouesses de Google pour ce que c'est, c'est-à-dire une formidable bibliothèque d'Alexandrie dans laquelle on trouve de tout. Mais travaillons sur autre chose. Vous ne serez jamais remplacé par un ordinateur. La relation humaine est indispensable à la transmission. La transmission, donc, alors les formules, on les a dans Google, il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur. C'est bon, on veut le truc, toc, on l'aura dans 3 ans, on claquera des doigts et on aura la formule chimique qui tournera dans l'espace. Il n'y a pas de souci. Par contre, pourquoi on va s'intéresser à telle molécule? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? À quoi ça peut vouloir servir? Comment ces deux molécules vont se rencontrer? Là, le professeur intervient, voyez-vous? Et ça, je voudrais vraiment que certains qui doutent de ça en soient convaincus. Les industriels ne signent aucun contrat en discutant sur Skype. Pourquoi? Ils le disent très bien. Parce que sur Skype, on ne voit pas les émotions de l'autre. La relation a une épaisseur. Et c'est dans l'épaisseur de la relation
qu'on peut transmettre des choses. Vous êtes des humains qui transmettez des choses. Alors, si ce n'est pas les formules de chimie, ben, ce sera autre chose. Vous transmettrez les raisons d'être de la chimie. Ben, je vous remercie. J'avais juste une petite remarque. Tout à l'heure, vous avez parlé des défis. Et vous avez dit que c'était les mettre à l'épreuve. Du coup, si je vous entends bien, dans l'épaisseur de la relation, c'est finalement les inviter à éprouver, à ressentir. Oui, éprouver, ressentir et se mettre en situation d'acteur, se mettant en s'impliquant, en se mettant en scène, et donc, du coup, en participant, en co-construisant, si vous voulez, ce qui va se jouer dans la relation. D'ailleurs, regardez bien, quand on se rappelle nous-mêmes dans notre passé des professeurs qui nous ont marqués, lesquels nous ont marqués ? Ceux qui incarnaient leur matière, ceux qui nous faisaient passer des choses. Moi, j'ai probablement choisi la psychiatrie parce que j'ai eu un excellent prof de philo qui nous passionnait et on restait même... Alors, le cours était fini, on continuait à rester. Alors, les ados, quand ils restent en classe, si vous voulez, c'est qu'il y a un truc. Ben oui, on avait un super prof qui nous intéressait. Mais il nous intéressait dans l'épaisseur de la relation. Google ne peut pas faire ça. D'ailleurs, il ne cherche pas à le faire, je crois. Il cherche à automatiser encore un maximum de choses. On aura des voitures électriques, des formules de chimie qui tomberont du ciel, des Brad Pitt qui arriveront en 3D, ok, mais c'est pas ça qui fonde la transmission éducative. Oui, là, je rebondis en tant que là enseignant, on est enseignant-chercheur, mais d'abord enseignant, il ne faut pas l'oublier. Et le sel de notre métier, c'est cette rencontre avec les élèves, avec les étudiants, cette alchimie qui se crée. Et c'est ça qui est important. Donc à un moment donné, rien ne remplacera cela. L'information, ça ne se donne pas, une information, ça ne se prend pas. Souvent, on entend prendre l'information. Non, ça s'interprète. Ça se conduit. Et donc, forcément, ça devient intéressant. C'est une véritable rencontre, comme on disait initialement. Le drame, voyez-vous, par exemple, de ce qui se passe en ce moment dans notre faculté en médecine, 3 500 étudiants. L'amphi ne comporte que 600 places. Que se passe-t-il ? Chacun a 15 jours, en vrai, en chair et en os, le prof, pendant que les autres l'ont sur écran, dans une autre salle. Vous vous rendez compte de ça ? Ça, c'est l'anti-éducation, de considérer que c'est pareil, qu'il y a le prof en vrai et le prof sur écran, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. La relation passe par... oui, mais voilà, nous sommes en visioconférence avec les autres sites. Bonjour. D'ailleurs, on voit que vous restez, les autres se vident. On ne remplit pas, en fait. Bien, y a-t-il des dernières questions ? Allez-y. Non, j'ai le micro. C'est moi qui ai le micro. Oui, je voulais vous demander, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait rendre les adolescents acteurs et qu'ils produisent des choses. Et est-ce que vous avez pas, est-ce qu'il serait possible d'imaginer votre jeu de Serious Game, justement, où ils produisent eux-mêmes leurs réponses ? Parce que là, on voit qu'ils choisissent. Bien sûr, et c'est ce qu'on les amène à faire ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, qu'ils y ont joué, en fait, leur aspiration véritable, comme dans la vraie vie, quand ils se parlent, ils ont besoin de se voir aussi, en vrai. Eh bien là, c'est la même chose. On peut leur faire jouer après les rôles. Et ce qu'ils n'auraient pas accepté d'emblée, si on leur avait dit « essayez de jouer une jeune fille qui veut un tatouage », ils auraient dit « pourquoi ?» etc. Là, après, ils sont tout à fait d'accord. Alors, il y en a qui veulent absolument faire la belle-mère parce qu'elle n'est pas assez présente dans le jeu. Alors, le petit demi-frère, etc. Et donc, bien sûr, les faire jouer. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, on n'a jamais eu autant de demandes d'ateliers de théâtre. Ils ont besoin de s'incarner.
Ils ont besoin de se mettre en représentation. Comme les médecins à Montpellier, face à une troupe de théâtre qui les mettait en situation de voir un patient en face et non pas simplement un corps, un aspect biologisant, ils ont été interpellés. Et on retrouve ça dans le jeu, justement. Le jeu est intéressant parce qu'il est à vivre et il y a toute la mise en jeu corporelle, toute l'entité en fait de l'individu. Et c'est ça qui est riche. Voilà pourquoi le jeu a toute sa place et surtout le vivre. Moi, je voulais vous demander si vous pensiez adapter ce genre de serious game pour les professeurs. Donc, par exemple, faire un professeur, incarner un professeur et avoir des situations critiques et nous proposer des situations et voir avec un professionnel de l'ESP ou d'ailleurs le genre de conseils qu'il pourrait nous donner. Et comme ça, nous, on jouerait et on serait plus préparés pour les vraies situations. Ce serait pas mal. Ça serait bien. Le seul petit souci, c'est que pour fabriquer ce jeu, il a fallu injecter 250 000 euros. C'est le petit souci. C'est-à-dire que ça coûte très cher. Dès que vous avez des choses interactives, il faut que ça, et qui ne peuvent pas être seulement on-off. Il faut que là, si vous voulez, l'arborescence de ce moteur de recherche, si on imprimait tous les dialogues en Times New Roman Core 12, c'est-à-dire la typographie standard, il faudrait une feuille de papier de 20 mètres de large et de 12 mètres de haut. Donc du coup, ça coûte cher, ça, à fabriquer. Et du coup, c'était un choix aussi qu'on avait, nous, à faire. Est-ce qu'on vend le jeu ou est-ce qu'on se fait sponsoriser par un laboratoire pharmaceutique? Et on a préféré vendre le jeu que vendre notre âme. Oui, donc si ce jeu est payant, eux aussi doivent payer. Et est-ce qu'ils vont jouer? Eux, ils n'ont aucune envie d'acheter ce jeu. Oui, voilà. Donc, est-ce que l'application est gratuite? Non, eux, ils jouent, vous avez vu à quoi ils jouent, The Walking Dead, etc., des jeux, ils ne sont absolument pas là-dedans. Donc, c'est un jeu qui est destiné aux adultes, d'accord, qui n'est pas destiné à eux. Il est destiné aux adultes en charge d'adolescents. D'accord. Mais les adolescents, eux, ils n'en ont rien à faire. Ils ne vont jamais aller acheter ça. Non. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Moi, je voulais savoir concrètement quel résultat donne le jeu, qu'est-ce qu'on va savoir sur l'adolescent et qu'est-ce que ça va nous permettre de... On facilite les échanges sur des sujets qui fâchent et on obtient des clichés instantanés très intéressants de leur état d'esprit par rapport à la situation. Et par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un moment donné où le choix possible, c'est la jeune fille dit peut choisir très bien. Je sais ce qui me reste à faire. N'importe lequel d'entre nous considérait que c'est un propos menaçant. Il y a des ados, pas du tout. Ils choisissent ça et ils sont très surpris de voir le père s'énerver. Ah bon, mais pourquoi il s'énerve? Ben parce que moi, quand je sais ce que j'ai à faire... Enfin, et là, il y a tout un débat sur qu'est-ce que c'est que prendre une décision, en quoi je suis détenteur de ma propre décision, etc. C'est des sujets sur lesquels on aurait eu du mal à débattre, si vous voulez, sans ce support. C'est seulement un support de dialogue. Ça ne modifie pas, ça ne soigne pas, ça ne rend pas les ados plus aimables. C'est l'enseignant qui a les résultats après. C'est la manière dont ils se saisissent de ces prétextes pour évoquer leurs pensées à ce sujet et les retours, l'analyse critique qu'ils peuvent avoir de leur propre choix. Parce qu'après, par exemple, ça les intéresse de savoir à quel moment ils ont dérapé, quand ils ont raté les choses, vous voyez? Oui, mais après, concrètement, il y a certains... Enfin, ça va dépendre de l'environnement familial aussi, parce que les réactions de l'adulte ne vont pas être les mêmes selon l'environnement dans lequel oui, grandit l'enfant. Mais peu importe, on ne cherche pas à évaluer ça. On cherche à mieux les aider à exprimer leurs idées par rapport à des thèmes
et à les partager et à nous les faire partager à nous pour mieux les connaître. Voilà. Mais sinon, eux, ça ne les soigne pas, ça ne les guérit pas de rien. Je veux dire, ça n'a aucun, il n'y a pas d'enjeu thérapeutique hein, derrière. C'est un enjeu, c'est un support voilà, de discussion. On pourrait considérer qu'on pourrait avoir un petit film qui serait un support aussi, mais là, celui-là, comme il est interactif, ça les intéresse. Ouais. Aussi, mais on a besoin, nous, de savoir aussi ce qu'ils pensent. Et là, ils l'expriment, vous voyez. Par exemple, c'est très intéressant aussi de voir comment ils réagissent. La situation montre qu'il est 21h, ils ont tous repéré ça, hein. Il est tard. Le père est tout seul dans la cuisine en train de manger une pizza qu'ils appellent, entre guillemets, de merde. Hein ? Donc ils ont bien repéré que c'est pas très cool, le papa tout seul à 21h en train de manger une pizza alors que sa compagne est en train de lire une histoire à son petit garçon. Tout de suite, ils se saisissent de ça. Ils disent, mais quand même, c'est un peu dégueulasse, elle s'occupe pas de lui, elle lui fait pas à manger... Alors lui, pourquoi ? Donc, alors il y en a qui vont dire, mais dis donc, et puis quoi encore ? Comment ça ? C'est les femmes qui font à manger, il n'est pas capable de se faire à manger, lui. Et il va y avoir des discussions, les uns et les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de s'énerver, de se fâcher les uns contre les autres, ils vont au contraire, avec l'adulte qui fait l'arbitre, en quelque sorte, hein, qui anime le groupe, ils vont pouvoir exprimer différentes choses. Alors, il y en a qui vont arriver à l'idée que s'il est 21h et s'il mange une pizza, c'est qu'il a peut-être eu des gros soucis au travail. Alors, s'il a des gros soucis au travail, peut-être qu'il n'est pas dans le meilleur état pour qu'on lui demande un tatouage. Enfin, tout ça, voilà, ça permet de discuter de choses de la vie, quoi, qui sont que est-ce qu'on peut demander à ses parents n'importe quoi à n'importe quel moment ? Voilà, et le réaliser aussi. Et ils vont tout de suite associer, ils vont dire, ben moi, mon père, si jamais je lui demandais ça le soir où il a trop de travail, ben forcément il dirait non. Enfin, vous voyez, c'est voilà. Je voulais vous poser une question parce que bon, par rapport à la situation de la société en général et puis à nous les enseignants, est-ce que la situation que nous vivons, ce n'est pas la résultante des enfants rois qu'on a laissé tout faire? Et qu'aujourd'hui, on a ce fruit qui est là et qu'on se demande, on cherche toutes les situations possibles, toutes les solutions possibles pour essayer de recadrer les choses. C'est un souci, en effet. Vous mettez le doigt sur un souci de notre société. C'est-à-dire que une des conséquences, d'ailleurs, vous voyez, là aussi, de l'évolution des mentalités, des modes de vie et des sciences et des techniques, l'ensemble, hein, je ne sais pas qui déclenche quoi, mais le fait est que depuis qu'on choisit quand on veut avoir notre enfant, ben ouais, depuis qu'on choisit combien on a d'enfants, et depuis qu'on fait peu d'enfants, depuis que notre société se concentre sur l'individu au détriment du groupe, on insiste beaucoup sur la relation très particulière que nous entretenons avec notre enfant. D'une part, vous mettez ça de côté, comme en cuisine. Vous réservez ça. De l'autre, nous considérons on vit en couple, hétéro ou homosexuel, dès lors qu'on s'aime, et non pas par intérêt financier, de patrimoine ou autre, comme c'était le cas jadis. Donc on se choisit lorsqu'on s'aime, et on se sépare lorsqu'on se désaime. Et lorsqu'on se désaime, on se retrouve très seul aussi. Et du coup, l'enfant est vite considéré comme une roue de secours affective. Et du coup, on a très peur que si on le gronde trop, si on lui dit trop « non, tu ne feras pas ça », etc., il va désaimer son parent. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas, mais voilà. La croyance, c'est ça. Et du coup, l'enfant roi est la roue de secours affective qu'on va essayer de tout le temps protéger
suréquipés pour surtout qu'ils ne nous quittent pas et ne nous désaiment pas. C'est terrible. C'est vrai, c'est terrible. Ce week-end, sur le bassin d'Arcachon, j'assistais à une scène absolument pitoyable. Une petite fille de 4 ou 5 ans, habillée, tout habillée, avec ses petites chaussures et ses chaussettes, allait au bord de la plage, marchait vers l'eau, alors que ses deux parents lui intimaient l'ordre de revenir. Alors, d'abord la maman. Alors, Valentine revient. Aucune réaction. Deux fois, trois fois, 20 fois, Valentine revient. Au bout de 20 fois, la mère lâche l'affaire. Et elle dit, bon, mais puisque c'est comme ça, et elle part. Non, mais je vous jure, elle part. Reste le père. Et là, le père voit qu'on est plusieurs personnes à regarder la scène. Alors, il est coincé. Donc, il y va. Alors, la petite fille continuait, elle, à marcher vers l'eau. Hein. Elle arrive à l'eau. Elle trempe une chaussure dans l'eau. Non, mais c'est incroyable. Et elle se retourne vers le père pour voir si ça le faisait arriver plus vite. Non! À ce moment-là, le père met les mains derrière le dos, comme s'il était attaché, vous voyez. Et il attend, il lui dit, Valentine, il faut revenir. Et l'autre, elle met la deuxième chaussure dans l'eau. Et elle le regarde. Non mais, délirant. Et du coup, la situation est restée comme ça. Puis, Valentine a fini par concéder qu'elle allait revenir. Et le père suivait derrière. Oh. Wow. Ben oui. Alors ça, c'est... Mais ça, c'est deux secondes. Oui. Vous nous avez donné une super image. Non, c'est pas ma fille, ça peut pas, c'est impossible. Vous nous avez donné une super image et demain, nous aurons cette petite fille en classe. D'accord ? Ben oui. Bien sûr. Et là, on va qui éventuellement vous donnera un coup de pied. Voilà. Et on va demander à nous, les professeurs, donc à l'institution... de remédier à ce genre de problématique. Je crois qu'on est en train de décaler les choses, de déplacer les choses, de mettre les choses dans leur ordre et de demander aux parents de prendre leurs responsabilités. C'est un problème de société. Nous devons demander à la société de se recaler. Oui, oui. Mais oui, vous avez raison. C'est un enjeu. Bien. Sur. C'est bien, là, vous êtes bien chaud. Oui. On arrive à 19h. Bien, allez, un dernier petit mot, plus de questions, vu que c'est l'heure. Si vous avez un petit dernier mot à dire à l'assistance, bah, déjà en tant que professionnel de l'éducation. Déjà que je suis très content de pouvoir vous parler comme ça, et je vous remercie de m'avoir permis cette rencontre. Je suis très content aussi de voir que vous avez beaucoup d'attention et d'intérêt à tout ça. Et c'est vrai que la situation est difficile. Je pense qu'on est vraiment, franchement, je pense qu'on est à un tournant de civilisation, comme ça a été le cas avec l'arrivée de l'électricité, comme ça a été le cas avec la machine à vapeur. Donc, c'est en même temps exaltant, parce qu'on est en train de vivre une révolution en cours, ça c'est certain. On est participant, on est dans cette révolution. Ce qu'il faut, et c'est le conseil que je voudrais vous donner, il faut arrêter d'être pessimiste, de tout voir en noir, de tout dire tout le temps. Là, une maman disait à sa fille, « Ma pauvre chérie, tes enfants ne connaîtront jamais les poissons. » Ça, c'est pas possible. Donc... De tout nier, de dire tout est fichu, c'est cuit, ça sert à rien, etc. Misons vraiment sur la créativité, les compétences des adolescents. Acceptons de nous adapter à ce qui nous bouleverse. Ayons en tête toujours que lorsqu'on est poussé un petit peu dans nos retranchements, en effet, la tentation, c'est de se rétracter et de camper sur des positions qui sont, par exemple, « Non, mais moi, je suis contre les réseaux sociaux, etc. » C'est une erreur. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, allez voir ma page Facebook, Xavier Pomereau, page publique, elle est ouverte à tout le monde.
Je n'y publie rien de personnel. Je n'ai pas d'amis. C'est pas le but. Je publie des pensées et des réflexions. Et il y a des gens qui viennent les voir. Et il y a des ados, il y a des parents. On peut utiliser Facebook comme une page éducative. Vous la connaissez ? Non ? Vous opiniez du chef ? Non. Voilà. Donc allez la visiter et vous verrez qu'on peut utiliser les nouvelles technologies aussi, on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins éducatives. Le tout, c'est d'accepter ce principe fondamental humain. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Bonne soirée. Merci beaucoup.